Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette course 100% de la Ligue B ici à Kota. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans la petite session de préparation. Les pilotes sont en train de valider et de se préparer pour cette qualif en un tour dans ce format-là. Donc vous allez, comme vous pouvez le voir dans la session indiquée, avoir une qualif un tour et une 100% race, ce qui va pouvoir relancer un petit peu les défis, ce qui va pouvoir remettre un petit peu de challenge dans ce championnat de Ligue B, qui a été plutôt sage dans l'ensemble. Mais en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage et j'aimerais savoir si vous êtes à l'aise, si vous êtes prêt à me suivre dans cette longue soirée de quota avec moi-même. N'hésitez pas à me répondre. Et on va pouvoir faire une petite découverte aussi du circuit ensemble. Donc on va se mettre sur un pilote pendant cette qualif en un tour pour faire découvrir à ceux qui ne connaîtraient pas encore le circuit de Kota, de pouvoir leur montrer les trajectoires, les opportunités de dépassement. Ce qui peut se faire en tout cas, ça sera une très longue course avec des challenges stratégiques qui peuvent être intéressantes. Mais on va regarder ça de suite. Voilà, les pilotes sont en train tranquillement de se préparer. Ils vont mettre tranquillement leur petit setup. Donc là, il faisait une sélection des pneus. Bien sûr, plus de choix de pneus en 100%, car on use plus facilement les pneus et on a aussi une durée de course plus longue. Donc des stratégies à deux arrêts plutôt que un arrêt, comme il se doit. Ouh, ça a vite appuyé quand même sur préparer. J'espère que les pilotes sont assez vifs là sur les setups, parce qu'ils ont été très très vite à appuyer dessus quand même. J'espère que ça sera bon. Mais ça a été assez vif, je trouve, de ce côté-là. J'espère qu'on aura le temps de préparer le petit tour chronométré pour les pilotes. Voilà, on va se mettre. Bah on sera sur un pilote Williams. Et on est parti dans ce tour lancé avec la Williams qui va monter cette très longue ligne droite de départ à arriver. Un virage en aveugle pour commencer, une petite épingle où il va falloir faire très attention car ça se resserre. Un 4 de front va se transformer très vite en 2 de front car la trajectoire est très resserrée. Petite droite avant de rentrer dans ces longues S où il va bien falloir tenir la voiture en appui. Surtout sur le dernier où il va falloir chercher ce double appui en droite. On va venir positionner la voiture sur le petit gauche. Ici, voiture qui se déséquilibre dans la remontée. Il va falloir bien tenir le grip, remonter. Pour aller chercher cette fin de secteur 1, on va redescendre tranquillement pour aller chercher l'épingle avec la première zone DRS de ce circuit. On ressort le très longue ligne droite, la zone DRS qui va sortir directement. Il va falloir faire attention à tout ce qui se passe. Les pilotes qui font le nécessaire en ligne droite ici, de bonnes opportunités de dépassement. Attention au setup un peu accru qui vont pouvoir donner certes beaucoup de vitesse, mais qui va pouvoir être désavantageux dans le secteur 1 et le secteur 3. On rentre ensuite dans ces virages un petit peu plus en appui où il va falloir travailler la voiture, faire attention de bien sortir. Des opportunités de dépassement peuvent avoir lieu, mais aussi des opportunités de spin. Et on ressort ici bien en appui de ce virage après ce secteur 2. On est rentré dans le secteur 3 depuis un petit moment. On enchaîne ce quadruple droite où il va falloir garder la voiture, la stabiliser, freiner ici pour rentrer bien correctement en point de corde, ne pas ressortir trop large pour couper son tour. Et dernier freinage ici sur ce gauche 90 gauche. Et on enchaîne sur la dernière zone DRS avec The Legendary qui a fait un joli 1.33 200. 6 et Jacouille qui sera deuxième en 1.33.392. Très beau temps aussi de la part du pilote As qui est de retour pour ce championnat de Ligue B. Et Psimat qui termine septième. Pas mal de pilotes de ce que l'on a pu voir n'ont pas réussi à effectuer un tour. Alors on va pouvoir prendre le résultat. Voilà, Legendary qui a fait un très très beau tour. Et on a quand même eu 3 DSQ et un qui n'a pas fait de tour chrono. Lord Dams qui s'est complètement loupé en 1.45 et après c'était des 1.36. Necro en 6ème position, Erk 4ème qui va pouvoir jouer très fort et Roanitox qui se situe en 3ème position, le pilote en tête du championnat de Ligue B qui va peut-être pouvoir être un petit peu menacé ce soir, surtout avec le retour de Jacouille. Première course pour lui, il se retrouve directement ici en 100% et directement sur la première ligne. Attention de ne pas commettre d'erreur. Et un peu plus loin, on a les pilotes Red Bull, Croquis Jaune et Sullivan qui sont en bonne posture pour aller chercher un petit doublé avec les Red Bull pour bien attaquer, sachant que les Aston Martin sont aussi très très bien situés. Ah!
Alors, on va peut-être éviter. On va peut-être faire. Alors, je vais juste me mute 2 secondes. Et on va faire un petit restart car Kaiser 6 n'a pas de setup. Et on va aller rejoindre tranquillement notre ami Dams justement pour l'aider à refaire la grille de départ. Hop, tac. On va se mettre la petite grille de départ juste ici. On va fermer ça. Et on va aller dans le vocal avec notre ami Dams pour refaire cette grille de départ. Hop. Incroyable! Hop. Bonsoir à vous, messieurs les pilotes alpines, vous êtes en plein live. Donc, je suis venu de te Oui. rejoindre, mon petit dame, pour te donner la grille de départ dans cette session que tu vas recréer. Hop là. J'ai vu que ça avait appuyé vachement vite quand même. Oh. Tu refais pas la qualif pour Keza qui a pas eu de setup? Non, parce que sinon il y en a qui vont être déçus par rapport à la position qu'ils ont là et qui vont peut-être pas avoir la bonne. Ça sera à Keza de remonter la grille. Ok. Oui, parce Ouais, qu'il. moi j'avais pas le volant non plus, mais. Ouais, mais dans l'autre cas, c'est par exemple, t'enlèves par exemple une deuxième place à Jacouille qui n'avait peut-être pas ou des choses comme ça, tu vois. C'est Jacouille, c'est pas grave. T'as Oui, vu qui a ou. mis prêt tout de suite ou pas? Non, j'ai pas pu voir. Ça m'a pas affiché Ok. qui. Mais j'espère que t'avais bien précisé. Oui, je l'ai dit deux fois. Ouais. Tu peux demander à papy. Ah Deux fois oui. je l'ai dit. J'ai bien insisté là-dessus. Hein. Ah, tant pis pour eux, hein, ils vont attendre. Putain, ils sont incroyables. Incroyables. Donc on complète. Tu me dis quand tu m'as invité, comme ça je peux être déjà dans la session et me mettre tranquille, prêt à te répondre. Ouais, je suis occupé de paramétrer la météo là. Putain, ça m'énerve les jackies, les trous du cul comme ça m'énerve. Genre ça vraiment, tu le dis deux fois en plus. C'est pas comme si je l'avais dit une fois, je l'ai dit deux fois. Aïe 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 aïe. Non, non. Oh, ça va, Maïla, arrête. Hein. Sinon, goulag avec ceux qui écoutent pas le briefing. Goulag! Ah Au ben, pardon, goulag. j'ai rien dit. Au goulag, au boulodrome. Aïe. Bon, du coup. Bon, désolé, chers spectateurs, hein, c'est le temps de refaire. La grille, de refaire tout le nécessaire de session. Pour tous ceux qui m'entendent, tous les pilotes qui sont sur le stream ou pour les coéquipiers, faites bien attention et attendez que Dams lance la session, mette accepter et tout le tralala pour faire le nécessaire. Il ne faut pas valider tout de suite. Pour ceux qui m'auraient pas entendu, vous pouvez rejoindre la session de Dams. N'oublie pas de filmer Jacouille, hein, quand même. C'est Oui, ça important. sera pas vu. Jacouille, je serai en première loge dessus. Alors,
Alors, Legendary, c'est bon ou pas? Popularité. Il est là normalement. Oui, Legendary. Ok, c'est bon. Et un T'es prêt à bâtard. noter, Dame? C'est prêt à faire la grille? Il y a Non. 18 pilotes, donc ça devrait être bon. Ouais. Attends, je Alors me brouille. attends, hein, parce que. Minute, hein. Ouais. Il faut aller d'un. Il faut aller d'un Jacou, milieu à il prend l'autre. ta as, vite! Merci. Legendary premier. Oui, celui de Jacouille. La fraude. Oui. Celui de Juanitox. Ok. Erk en quatrième position. Ouais. Gros kick jaune. Peut-être que tu le vois en Muggy, peut-être. Ouais, c'est bon. Nécro. Matt. Mathieu, petit Matt. Warcrixus. Sullivan. Papy Gamer, Zimax, Kezar 6, Balot, Le Phocéen, toi, Soshinine, Kurama. Ouais. France Max qui kick sur le barjo. Ah bah elle va être belle la grille. Allez, c'est parti. C'est la reprise. Yep. Je vais rechanger de Chanel par contre. Allez, bonne course à Je vous. t'en prie. Ah, pas Ah, aussi. bonne course. Merci. Bon com. Incroyable! Et hop là, et on est de retour. Début de la session, et cette fois-ci, la course que vous allez pouvoir observer directement sur la grille de départ. Les pilotes qui vont pouvoir enfin faire le début de cette course. Après l'erreur fatidique du setup, j'espère qu'il y en a qui vont faire attention. On leur fera une deuxième fois, mais ça sera la dernière si jamais il y en a qui appuient trop vite. Donc attendez bien le départ de Monsieur Dams. En tout cas, les pilotes qui vont pouvoir se mettre sur la grille de départ. Ça valide tranquillement pour tout le monde. Nous, on espère d'avoir une belle petite session. Plus que Legendary et Juanitos, plus que Legendary et on pourra partir. Allez, monsieur Legendary, il faut y aller. Faut mettre prêt. Il restera 25 secondes. Les pilotes qui vont pouvoir prendre le temps, je l'espère, pour mettre leur setup avant de partir sur la grille et faire le départ directement. Pas de tour de formation, je vous rappelle, pour cette course. Bonsoir à toi, Rama. Comment vas-tu? Bonsoir, Two Wall. Joyeux anniversaire à toi, Two Wall. Comment vas-tu? Bonsoir à toi Elio, préparez-vous pour ce départ, ça va partir de fou furieux. Mal, comment ça tourne? Qu'est-ce qui va mal?
Le club de la trentaine. Ah, ouais, bah, malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie, mon petit tout. Il faut accepter. Ah, imagine-toi quand 10 ans de plus, tu auras le club de la quarantaine. Ce sera encore plus dur. Dis-toi que ça va encore. Et le club de cinquantaine, je t'en parle pas. Tu auras fait une demi-décennie, donc faut y aller doucement. Ça va le faire, ça va le faire. En tout cas, ça va. Les pilotes prennent un peu plus de temps que pour la qualif où ils n'avaient pas pris du tout leur temps. Donc, on espère qu'ils vont être efficaces. Il a 45 ans. Aïe 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 aïe. Chut. Faut pas le dire, c'est pas grave, il est dans le club de la trentaine, c'est très bien. Faut pas dire que t'as 45. Habituellement, on intéresse les chiffres, mais là, si on intéresse les chiffres, c'est pas bon. En tout cas, les pilotes qui sont en train de faire là la bonne préparation de setup, on le sent bien là par contre, qu'ils prennent le temps de bien faire les choses et pas de refaire de bêtises. En plus, il faut faire la stratégie, tout ça. Ah, ça y est, le départ qui va être donné par les pilotes avec notre ami Legendary, Jacouille qui est parti. Et c'est parti pour le départ qui a été donné, très bon envol de la part de Legendary. Juanitox qui a pris un bon envol aussi. Il va falloir surveiller derrière. Il y a des pneus médiums, il y a des pneus soft. Il faut faire attention à ce qui se passe dans le peloton. Jacouille qui perd une position, mais c'est Necro qui en regagne pas mal et qui se retrouve quatrième maintenant. On va vous remettre un petit peu le truc. Je vais vous remettre un petit peu les détails. Les pneus, les données autour, la carte. Et on va pouvoir voir donc Legendary qui est parti en pneu soft, suivi de Juanitox qui est en pneu soft aussi. Jacouille qui a mis les pneus médiums pendant que son coéquipier a décidé de mettre les pneus soft directement. R qui est en cinquième position avec Grocky Jones, Sullivan qui sont très proches, qui ont décidé de changer de stratégie, de partir sur une stratégie médium. Attention de ne pas gêner les coéquipiers. Alors quand je dis changer de stratégie, c'est par rapport à ce qu'il y a devant avec R et Necro. Derrière il y a Warcrixus qui lui est en pneu soft, qui va tout de suite aller à l'attaque sur Sullivan. Papy Gamer en 9ème position et 10ème pour l'instant Mathieu qui complète avec Zimax qui est juste derrière. Attention à la bataille avec les Ferrari et les Mercedes un petit peu en délicatesse. Kezarsis qui perd des positions là-dessus. Crossmax qui essaye de remonter tant bien que mal, qui est parti très loin dans le fond de grille. Et c'est les Alfa Romeo qui pour l'instant peinent un petit peu dans ce début de course. Les Ferrari un petit peu en délicatesse avec le Phocéen Sochinen qui se gêne un petit peu dans cette bataille. Attention de ne pas trop se gêner. Et pour l'instant, dans le milieu de peloton, ça continue à de se suivre. Je crois que Legendary a pris l'avantage. Avec déjà un joli 1.38.0 pour Legendary avec son AlphaTauri. Pour l'instant, on a Juanitox qui ne suit pas le rythme de Legendary. Et c'est plutôt Jacouille qui est en train de bien tenir, de faire une belle opportunité pour le moment en tenant avec ses médiums dans le peloton de soft. C'est le seul parmi les 5 premiers à être en médium. Va-t-il avoir la stratégie nécessaire? Ce sont des As chez As. Ça y est, Ramaloki qui est parti en mode jeu de mots. En tout cas, pendant ce temps-là, on a les Red Bull qui sont pour l'instant en train de faire un petit peu le blocus du second peloton. Ouh, je crois que le setup est un petit peu bizarre chez Grocky Jones parce que j'ai vu des étincelles. Après, est-ce qu'il n'a pas été chercher trop loin? Ouh, c'est derrière, c'est Papy Gamer qui est déjà à l'attaque sur Warcrixus. Attention de ne pas attaquer trop fort. Pour l'instant, c'est resté propre. Et c'est Mathieu qui va peut-être pouvoir en profiter. Ou Zimax qui est juste derrière, qui est talonné dans le cul de son coéquipier. Est-ce qu'il a la vitesse de pointe? Pour l'instant, il n'a pas l'air de l'avoir, mais il n'utilise pas non plus de RS pendant que Mathieu, lui, l'utilise un petit peu aussi du côté de l'Alpine. Dans le peloton, un petit peu derrière, Crossmax s'en est sorti avec Sochinen. Ils ont pu se déclencher un petit peu de tout ça. Lordams, pour l'instant, 14e position, qui reste gagner une place par rapport à sa place de départ. Le Phocéen 15e, Kezar 6 qui reste 16e pour l'instant. Et c'est Ballot qui se fait attaquer par les Alfa Romeo et qui se retrouve en 18e position à l'opposé de son coéquipier. Il est en pneu soft. Et il va falloir qu'il trouve un moyen d'attaquer, de remonter dans cette course. Car pour le moment, ce n'est pas gagné. Le DRS est activé. Legendary est sauvé de cette zone. Mais c'est maintenant Jacouille qui se retrouve dans une bonne opportunité d'aller chercher avec le DRS. Mais notre ami Necro, son coéquipier, est pour l'instant juste derrière lui. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que les pneus soft vont pouvoir tenir? Est-ce que Jacouille est bien mieux en stratégie ou pas? R qui est un petit peu plus éloigné, qui se libère un petit peu de tout ça.
Pour l'instant, on voit Rixus qui lâche pas le rythme de Sullivan et de Gros Kick Jaune. Il se démerde très très bien pour l'instant dans ce rythme course là. Les Red Bull qui ont un petit peu plus de mal à suivre le haut du peloton, mais qui restent très bien positionnés en cas de problème ou en cas de safety car. Pour l'instant, ils sont dans une très 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 bonne zone. Papy Gamer, Crossmax, est-ce qu'il va pouvoir rattraper le peloton? Pour le moment, c'est pas trop le cas. Il est juste derrière, mais les opportunités vont pas pouvoir se présenter. Pour l'instant, ça se suit bien. Pas de safety car, très bon début de course, pas d'accident, enfin en tout cas pas de gros accidents. Pour l'instant, ça suit très bien, mais par contre, c'est Soshina qui va peut-être pouvoir en profiter sur Crossmax. À l'intérieur, le pilote Ferrari, tout comme le pilote Williams qui a dû en profiter sur Papy Gamer. Et c'est le cas de Psymat qui en a profité. Papy Gamer qui tente de rester sur l'intérieur, mais ça ne passera pas. Il va falloir se défendre, mais après le pilote Williams a des pneus soft, il faut pas l'oublier, donc il aura forcément un plus gros rythme sur ce début de course. Et c'est Ximax maintenant qui va klaxonner la porte du pilote Alpine. Et vous pouvez voir que le fait d'avoir pas mal de carburant, ça régénère une course totalement différente. Et je crois que chez As, on interverse les positions. On laisse Necro avec ses pneus soft pouvoir attaquer pendant que Jacouille va économiser ses pneus médiums. Ça peut être une très très bonne stratégie. Justement pour éviter de gêner son coéquipier et pouvoir tracter aussi celui qui peut jouer quelque chose en termes de stratégie longue. Erk qui est pour l'instant toujours dans un petit no man's land. Pas de dépassement. On voit Rixus qui est très proche quand même de Sullivan pour l'instant. Il n'a pas d'opportunité de dépassement mais il arrive à suivre la cadence. Ça joue un peu plus safe hein, du côté du pilote War Rixus sur les enchaînements de S, en tout cas dans ce début de course. Il accélère pas assez fort, il a pas assez confiance en sa voiture. Un coup qu'il a repassé la 3, il faudrait qu'il repasse la 4 instantanément. Il faudrait pas qu'il reste en 3 dans ses enchaînements. C'est vraiment le 3 doit servir juste à pivoter. Le restant doit servir plutôt pour attaquer. Mais en tout cas, peut-être que cette fois-ci, notre ami Papy Gamer, sur le barjo, a quitté la session. Alors j'aimerais bien pouvoir inviter. Pourquoi je ne peux pas inviter? Ah c'est bon, je peux inviter. Hop là. Alors, Kikikso le barjo, on va essayer de le réinviter tranquillement. Où est-il Kikikso? Je te vois pas Kikikso le barjo. Alors, pour l'instant j'arrive pas à le retrouver, on va juste attendre un petit peu le temps qu'il puisse se reconnecter. Jeu de DRS, t'as tout à fait raison mon cher Ramaloki. En tout cas pour l'instant, Papy Gamer qui est en difficulté, qui est en train de bloquer un très beau peloton derrière lui avec Soshi9 et Ximax qui sont bien accrochés. Et je crois que Necro est bien revenu au niveau de Juan Itox. Malou un petit peu plus en difficulté, on va aller redemander voir si Kikikso le barjo est de retour pour pouvoir le réinviter, s'il a pu se reconnecter au jeu. Est-ce que notre ami Kikikso le barjo a pu se reconnecter au jeu? Je le vois pas du tout Kikikso le barjo. Regardez dans les déconnectés. J'arrive pas du tout à le voir notre ami Kikikso le barjo. Si jamais il y en a qui arrivent à voir où il est, mon cher Mitsu, des choses comme ça, si vous m'entendez, n'hésitez pas à me dire pour Kikikso le barjo. Ximax, pour l'instant pas d'opportunité, mais c'est peut-être Warcrixus qui a trouvé l'opportunité sur Sullivan. Et attention sur l'intérieur avec les pneus soft, Sullivan qui se défend bien. Crossmax, 5 secondes de pénalité pour sortie de piste. Où il a été très très loin notre ami Crossmax, on l'a pu le voir en arrière-plan. Warcrixus qui pour l'instant n'a pas réussi à trouver l'ouverture sur... et contact derrière avec Psy Mathieu qui est très très fort sur l'attaque là. Avec Ximax qui va peut-être se faire dépasser par la Ferrari par l'intérieur. Attention, pilote Williams sur le virage suivant. Ou attention de ne pas attaquer trop fort. C'est bon, il a réussi à se repositionner. C'est l'autre pilote Williams qui est sorti très large. Et le pilote Ferrari qui va peut-être pouvoir en profiter sur l'intérieur. Attention, et c'était tout juste entre les deux pilotes. Lord Hams qui se retrouve en 13e position avec Crossmax qui se retrouve maintenant juste derrière notre ami Lord Hams. Attention peut-être au dépassement sur l'intérieur.
Et il a réussi à faire le dépassement pour le moment. Le pilote Mercedes, attention avec le pilote Alpine qui essaye de recroiser. Et ça ne fonctionnera pas. Et hop, c'est passé pour Zimax sur Rico. Ou attention, dans les S, ça tente fort. Allez, attention. Oui, Alpine qui est parti, qui a cassé son aileron. Il a cassé son aileron, drapeau jaune dans le secteur 1. Et c'est reparti. Ouais, là, l'attaque elle était vachement forte hein, de la part de Zimax dans les S. On ne sait pas lequel des deux devait lâcher, mais en tout cas, ça a été un poil trop fort. On va retenter de réinviter notre ami Kikixo le Barjo. Si jamais Mitsu, tu es dans le coin, n'hésite pas à me dire pour Kikixo le Barjo. Je le vois pas du tout connecté pour moi. De l'annoncer à Lord Dams qui n'hésite pas à faire une invitation. Parce que moi je n'arrive pas à le voir. C'est El Fury. Ok. Alors pourquoi le pseudo a changé? El Fury. Oh je l'ai. C'est bon. Invitation envoyée. Merci beaucoup Mitsu. C'est bon, c'est fait. J'ai envoyé l'invitation. Et donc on peut reprendre la course avec Simat et Ximax qui étaient dans une position très très folle dans l'idée. Et après, Warcrixus du jeu, toujours à l'attaque sur les pilotes Red Bull qui, tant bien que mal, arrivent à se défendre. Je crois que Sullivan a réussi à récupérer le DRS sur notre ami Gros Kick Jaune. Et pour l'instant, notre ami Necro qui a réussi à repasser. Et voilà, Kikisu qui a pu rejoindre. Nous avons Necro qui a pu repasser Juanitox. Pour l'instant, Jacouille un petit peu plus loin en termes de rythme, mais il tient la cadence avec ses médiums. Et c'est Legendary qui a réussi à creuser un petit peu l'écart. On va voir si derrière ça peut jouer en leur faveur. Les Red Bull toujours bien positionnés, hein, mais un petit peu loin de Herc pour pouvoir attaquer. Je crois que ça s'est interchangé les positions entre les Williams. Non, c'est Psymat, je crois qu'il s'est loupé complètement. Et Psymat, c'est qu'il s'est loupé et ça permet à Crossmax de passer. Et à Lordoms qui va peut-être pouvoir aussi passer derrière sur le pilote Williams. C'est le cas, il y a de l'ERS qui est utilisé, mais Psymat n'a plus rien du tout. Bah, je crois que Psymat il a pas compris l'esprit de course d'endurance par le fait qu'il n'a plus du tout une goutte de RS alors qu'on est au 7ème tour. Et là, il va se retrouver en grosse difficulté maintenant, le pilote Williams, à ne plus avoir de RS. Kurama qui passe devant son coéquipier, qui est sur le barjo, une petite bataille de coéquipier à coéquipier sur les Alfa Romeo. Et là, ça va être plus dur pour Balou et Papy Gamer. Legendary qui maintient ce rythme. Juanitox est bien collé à la Haas. Est-ce que derrière l'autre Haas arrive à suivre? Oui, pour le moment, c'est le cas. Il arrive à suivre notre ami Jacouille. Il arrive à faire le rythme nécessaire alors qu'il vient de revenir pour sa toute première course ici dans le championnat. Herc, vraiment dans un no man's land. Les Red Bull qui sont en train de créer un peloton mais monstrueux. Et on a l'impression que Gros Kick Jaune joue une stratégie un petit peu à la Carlos Sainz. Il tracte Sullivan et Sullivan lui sert de protection face aux autres pilotes. Car pour l'instant, Warcrixus n'arrive toujours pas à trouver l'ouverture, tout comme Zimax. Mais attention au plongeon un petit peu hasardeux de certains pilotes. Je pense que tant que pour les Red Bull, Warcrixus est derrière eux, c'est une bonne chose. Mais si jamais Zimax vient à passer Warcrixus, ça va être un peu plus compliqué pour eux de contenir Zimax. À voir ce que ça va donner pour la suite. Ouh, bah je crois que Sullivan s'est loupé. Sullivan, le bouchon Red Bull, vient de sauter. Et deux pilotes viennent d'en profiter. C'est Warcrixus et Ximax qui viennent de passer sur l'ensemble. Et Juanitox qui est passé maintenant une nouvelle fois sur Necro. Necro qui maintient le rythme sur le peloton. Et c'est Jacouille qui peut en profiter, bien sûr, pour rester au contact. Et derrière, ça se bat très fort parce que je crois que Ximax est en train de passer sur Warcrixus. Mais je crois que c'est Warcrossmax, le gros freinage qui vient de dépasser deux pilotes en même temps. Et Soshinan qui va en profiter aussi sur Sullivan. Sullivan qui a l'air déjà en difficulté avec ses pneus médiums sur la Red Bull. Il va falloir surveiller tout ça du côté de Red Bull par rapport aux pneus. Sachant que derrière, il y a Mathieu et Lord Ames qui reviennent très fort avec un Kaiser 6 aussi très bien consolidé. Qui suit très bien le rythme de cette course pour le moment. Avec un très joli casque bien sûr qui suit dans la couleur de la Ferrari de la Mercedes pardon. Désolé, j'étais parti avec la Ferrari. Et pour l'instant le top 2 qui se joue avec des pilotes très resserrés hein. 3 pilotes très forts en attaque pour l'instant.
qui essayent de tenir le rythme de Legendary, mais bien sûr Legendary étant un peu plus un pilote typé Liga que typé Ligue B, on ressent un petit peu la différence quand même, où on voit que le pilote Legendary s'en sort plus facilement face aux autres pilotes, alors que Juanitox, le leader de ce championnat de Ligue B pour le moment, se situe en deuxième position et contient Necro et Jacouille de ses assauts là pour le moment. Erk, pareil, un petit peu en difficulté derrière, mais ça suit, ça tient. On est un peu dans un no man's land. Negro qui jaune, qu'il va falloir qu'il impose son rythme, hein, parce que derrière, ça se bat très très fort. Crossmax, il attend que ça de sauter sur l'occasion, ou avec Warcryxus. Il faut patienter, et je crois que Necro, ça y est, ses pneus tombent, et l'interchange doit se faire avec Jakku, qui maintenant va avoir le rythme nécessaire pour pouvoir aller réattaquer Juanitox. L'interchange As qui est en train de bien s'effectuer. Dans cette stratégie, pour le moment, Crossmax qui est en bataille dure avec Warcryxus, mais ça passe, le pilote Aston Martin qui doit lâcher, et c'est Shoshinine hein, qui suivait le rythme de Crossmax qui va peut-être se faire gêner dans cette remontée. Il va falloir être délicat sur les zones de freinage, Sullivan qui est un petit peu plus en délicatesse. Crossmax, faut pas oublier qu'il a ses 5 secondes de pénalité à effectuer au stand, ou attention Shoshinine qui perd un petit peu la voiture sur l'intérieur. Warcryxus a une bien meilleure tenue de route. Pour l'instant, ça continue dans le rythme. Attention avec Shoshinine sur le freinage. Sullivan qui va pouvoir avoir une meilleure opportunité. Oui, il ressort très large le Sullivan. Et c'est peut-être Psimat qui va pouvoir en profiter sur la réaccélération. Mais Psimat, il a plus de RS. Hein. Il utilise toujours son RS, mais il en a plus. Le pilote roule avec 850 chevaux. Et ça lui permet quand même d'attaquer fortement. Où il était pas loin de créer un accident. Attention à l'espacement. Et Psimat, bien sûr, qui est parti, qui a cassé sa voiture. Et l'abandon, et ça va être voiture de sécurité, et là ça va être parfait pour les pneus soft. Les pneus soft là qui vont pouvoir rentrer au stand et pouvoir faire l'interchange. Attention à cet interchange. Et là c'est possiblement un moment très important pour les pneus soft qui allaient pas tarder à rentrer au stand. Faut pas penser à l'idée aussi que les pneus médiums peuvent être interchangés aussi maintenant. Faut penser à ça, stratégiquement parlant. Mais bon, après, on est qu'au 10e tour de course. La stratégie à deux arrêts peut se faire pendant que les pilotes en pneus soft, de toute façon, auront aussi encore un deuxième arrêt à effectuer. Ils ne vont pas aller jusqu'au bout de la course dans cette situation. Attention aux relances, attention à ce qui va pouvoir se faire. Erk, qui est cinquième pour le moment, va pouvoir profiter d'un arrêt aussi gratuit et pouvoir changer ses pneus. Là, dans l'idée, je pense que beaucoup de pilotes vont tenter de rentrer et de mettre des nouveaux pneus, à voir ce qui va être décidé et fait par rapport à cette safety car. Mais on le sentait, un Psimat, avec le fait qu'il utilisait tout le temps son ERS, c'était quasi sûr à 100%. En tout cas, ça rentre pour Juanitox. Jakku qui reste en course, c'est normal. Necro qui lui va rentrer pour aller rechercher des pneus médiums. C'était le timing parfait. Jakku, lui, par contre, il va devoir pousser parce qu'il va ressortir et après il va relancer la safety car. Plus devoir mettre un gap pour pouvoir ressortir dans une bonne zone. Mais il va avoir l'avantage après de terminer lui en pneus soft par rapport à ses autres compères. Eximax voilà qui va continuer, ce qui est normal. Beaucoup de pilotes vont se retrouver dans le trafic. Shoshinine, attention avec la sortie des stands. Les pilotes sont prioritaires sur la sortie des stands, n'oubliez pas. Messieurs, dames, les pilotes qui sortent des stands sont prioritaires. C'est aux pilotes en piste de s'écarter de la trajectoire. Pour aucune gêne. En tout cas, il y a eu pas mal d'arrêts, mais pas mal de pilotes aussi qui sont restés en piste. Bon, Crixus qui est rentré, enfin en tout cas tous les pilotes qui étaient en pneus soft, fallait qu'ils rentrent. Ah, quoique Sullivan a décidé de rentrer et d'aller mettre des pneus soft. Peut-être pour changer et de passer à un mode un peu plus attaque. Balou qui rentre au stand. Et notre ami Papy Gamer qui a que 3 tours sur ses médiums, donc qui va pouvoir profiter de passer Balou par rapport à la voie des stands. Ça va se regrouper tout doucement derrière cette safety car. Jacouille qui va mener la danse. Les jeunes Dari qui va être juste derrière lui, il va pas falloir tenter de défense là-dessus. Pour notre ami Jacouille, juste faire une bonne relance. Et c'est plutôt avec Shoshinine, Necro et Juanitox qu'il va falloir surveiller tout ça, car la Ferrari se situe entre les deux. Et là, on va avoir une belle petite relance. On va attendre que Balou revienne. 3 secondes de pénalité pour notre ami Papy Gamer qui aurait pu l'esquiver sous cette safety car, qu'il avait le temps de revenir.
R qui a pris un DT. Aïe aïe aïe. Ah, notre petit ami R, qu'on va regarder un petit peu ça. Tu nous dis qu'il a un petit DT. Et oui, il a un DT, notre ami R, qui va devoir rentrer au stand. Il va perdre cette cinquième position, qui était pour l'instant bien gardée de la part du pilote Aston Martin. Et après, tous les 3 secondes, se situe derrière. Crossmack qui a pu effectuer sa pénalité aussi. Ce qui donne un petit peu d'aide et d'air aussi au pilote Mercedes qui va pouvoir maintenant remonter sans pénalité à bord de lui-même. Et là, on va effectuer, je pense, encore au moins un tour sûr avec la safety car avant qu'elle ne rentre pour lâcher les fauves dans cette attaque. Attention à tout ce qui va pouvoir se passer autour. On en profite aussi en termes de commentary. Hein, je me lâche un tout petit peu en termes de respiration et tout ça. Car on a quand même 56 tours à combler. Et les pilotes qui sont quand même pour l'instant dans une bonne phase de bataille. Mercedes qui mène pour l'instant là-dedans sur cette course en 100%. N'oubliez pas que dans le restant des courses à venir, il nous reste encore 2 courses pour chaque ligue. La course d'Australie et la course du Canada pour clôturer ce championnat. On partira sur 2 courses standards pour terminer l'ensemble de cette saison, afin que l'on puisse terminer dans les temps avant que le F1 24 sorte et qu'on puisse tout de suite s'approprier l'opus si tout se passe bien. On terminera le 26 mai pour une sortie du jeu F1 24 le 28 mai. Il y a un finish au Canada. Attention, ça va pouvoir être palpitant. Et ouais, la safety car va bien rentrer dans ce tour. Balou qui va pouvoir avoir largement le temps de revenir avec sa McLaren. On attend la relance de notre ami Jacouille. R qui va peut-être effectuer son DT directement dès la sa rentrée de safety car. Je pense que ça pourrait être un bon choix de l'effectuer dès la rentrée de la safety car. Ou un tour juste après. En tout cas, il va falloir l'effectuer au plus vite possible. Parce que si re une safety car repop, il risque d'être disqualifié. C'est la problématique du jeu. En tout cas pour le moment, la voiture de sécurité qui va bien rentrer dans ce tour. Jacouille qui va devoir ralentir le rythme pour laisser la safety car repartir tranquillement. Attention de ne pas trop le ralentir. On va voir un petit peu du point de vue de Ximax. On va se mettre point de vue. Non, même on va se mettre du point de vue Rohan Hitox pour cette relance de safety car. On va voir ce que ça va donner. Jacouille qui va donner le tempo. Il faut qu'il laisse la safety car quand même partir un minimum. Attention de pas trop accélérer trop fort, mon cher Juan Itox, avec ce casque America pour faire honneur à ce circuit pour 700%. Pour l'instant, on s'intemporise bien. Hein. Les pilotes qui se laissent quand même assez bien de l'espace sur les avant-postes pour pouvoir préparer la réattaque. Les jeunes Dari et Juan Itox qui vont être dans une bien meilleure posture pour pouvoir avoir les pneus. Et je crois que notre ami Jacouille a déjà relancé. Oui, notre ami Jacouille a déjà relancé. Ça a endormi complètement Juan Itox. Il ne s'attendait pas à la relance de si tôt. Il va pouvoir remettre tout de suite la position parce que je crois que Legendary lui s'est pas fait endormir et c'est bien le cas. Legendary ne s'est pas fait endormir sur cette relance, mais notre ami Jacouille a pris l'avantage nécessaire pour pas se faire attaquer dès le début. Mais là on sent qu'avec les pneus c'est pas le cas. Et notre ami Legendary qui va dépasser tout de suite notre ami Jacouille qu'il faut pas qu'il défende. Voilà, il a bien joué, il a pas défendu sur cette relance. Juan Itox qui a repris tout de suite l'avantage sur Ximax. Qui est repassé devant. Pendant ce temps-là, c'est plutôt Necro qui n'a pas réussi à prendre davantage. Par contre, sur Soshina, une Balou qui a pris 3 secondes de pénalité. Et Lord Dams qui se situe un petit peu plus en décalé. Il faut pas paniquer du côté des pilotes qui ont encore de l'usure sur leurs pneus. Vers le 21e tour, 23e tour, ils vont pouvoir rentrer au stand et continuer une stratégie à 2 arrêts que les autres vont devoir d'une façon ou d'une autre effectuer. C'est juste que les autres vont pouvoir prendre un léger avantage là maintenant par le fait qu'ils ont les pneus frais. Mais c'est eux en fin de course qui auront l'avantage des pneus frais pour ceux qui ne sont pas rentrés. Pour l'instant, Ximax qui a du mal un peu à suivre le train. Necro qui arrive à passer Soshinan, ce qui est normal par le fait qu'il a les pneus neufs. Et derrière, c'est les pneus usés à part notre ami Erk, mais qui va devoir rentrer pour effectuer son DT. Et il faudrait qu'il l'effectue dès maintenant pour éviter tout souci avec une nouvelle safety car. Croquis jaune 10e, pour l'instant les Red Bull qui est pas dans une bonne posture avec les 2 Red Bull en pneus soft. Il va falloir attaquer très fort s'ils veulent pouvoir après rejouer une stratégie plus tranquille. Parce que là ça part plus sur une stratégie à 3 arrêts du côté de chez Red Bull.
Et Herc qui va plonger, voilà, Herc qui va plonger tout de suite. Legendary qui a pris le meilleur tour en course en 1:37.435. Qui pour l'instant fait le travail justement de chez Alpha Tauri. Qui est entré, Kurama qui est en très bonne position. Kurama quand même 10e pour le moment. Qui se défend face à Warcryxus et face à notre ami Crossmax. Qui fait des décalages pour faire peur un petit peu dans les rétroviseurs. Sullivan qui est juste derrière. Et je crois que c'est Warcryxus qui va passer sur Kurama. Qui a eu un petit peu de mal à la relance. Mais notre ami Crossmax aussi va vouloir passer Kurama. Et c'est fait, attention à Sullivan de ne pas vouloir forcer le passage. Derrière il y a le Fosséen qui est bien présent aussi. Où les écarts qui se sont déjà commencés à se créer un minimum. Est-ce que pour l'instant Jakou peut faire un petit peu le blocus sur Ximax pour aider son ami Necro à pouvoir dépasser? Il faut que la Necro fasse le travail pour vite aller dépasser Ximax pour que notre ami Jakou puisse s'enfuir un minimum. En tout cas, ça a l'air d'être le cas. Necro qui est en position de dépassement, il va l'effectuer sur le pilote Williams. Et il va falloir un freinage un petit peu plus adouci pour notre ami Jakou pour laisser passer Necro, pour pas que, qu'il le gêne dans son histoire. Pour l'instant, ça se fera pas ici pour les deux pilotes As. Ils vont se laisser la place à un moment ou à un autre, hein, ça c'est sûr, parce que Jakou, sinon, va ralentir fortement notre ami Necro. Il va falloir qu'il se trouve un espace donné pour que les deux puissent s'interchanger les positions dans cette bataille. Et je crois que Jakou a trouvé la zone. Et attention de se laisser la place, Necro qui est par l'extérieur a réussi à passer sur Jacouille et ça a été très bien effectué du côté de chez As. Derrière Lord Ams qui suit le train avec Soshinan, gros kick jaune qui est quand même en grosse bataille, grosse attaque avec le DRS maintenant qui est activé, on va suivre ça de très près. On va voir si Kaiser 6 a les épaules pour pouvoir tenir Croquis Jaune qui est en train de faire une petite remontada avec son ERS à l'attaque. Il va pouvoir dépasser le pilote Mercedes sur l'intérieur du virage. Attention au freinage de ne pas aller trop loin du côté du pilote Red Bull. C'est très bien effectué. Le pilote Mercedes qui va tenter de croiser. Non, ça ne passera pas du côté de Kaiser 6. Attention avec son coéquipier qui va remonter juste derrière. Et maintenant, Croquis Jaune doit faire le travail. Hein. Il doit dépasser Lord Ams, il doit dépasser Sushinang. Il doit mettre de la vitesse pour justement aller remonter dans cette grille. Et pour l'instant, c'est ce qu'il est en train d'effectuer. À l'inverse de son coéquipier Sullivan qui se retrouve un petit peu bloqué par Warcryxus. Necro qui vient de choper les 3 secondes de pénalité. Il va un petit peu loin le pilote As en termes d'attaque. Mais il essaye de remonter au plus vite sur Juanitox. Qui peut lui aussi faire des erreurs, tout comme Legendary. En tout cas, pour le moment, ils essayent de donner le maximum possible. Et Sullivan qui, pour l'instant, continue d'attaquer. Le pilote Red Bull qui va pouvoir tenter quelque chose peut-être sur le pilote Aston. Qui, lui aussi, a le DRS. Donc, ça va pouvoir être plus compliqué. Il va falloir utiliser un peu plus de RS. Ouh, attention avec les décalages du côté de Groki Jaune. Et Sullivan sur le freinage. Et ça passe bien sur le pilote Aston Martin. Très bien joué du pilote Red Bull. Ouh, c'est sorti un peu large du côté de le Fosséen. Le retour en piste, attention avec Kurama qui se retrouve juste derrière. Pour le moment, Herc qui remonte tranquillement mais sûrement. Il a bien fait d'effectuer son DT maintenant car ça lui permet de rester quand même pas trop loin du peloton. Il n'est qu'à 4 secondes et c'est une très bonne chose, sachant que devant lui c'est Balou en pneu hard qui a décidé de faire une stratégie plutôt d'endurance avec cette condition de choix de pneus. Maintenant à voir s'il peut tenir assez longtemps dans ce rythme avec Papy Gamer maintenant qui a ses médiums, mais je crois qu'il a cassé un bout d'aileron. Non, pourquoi rentre-t-il? Il n'a que 8 ours dessus. Que fait-il notre ami Papy Gamer stratégiquement parlant? Je crois que Kaiser 6 s'est loupé. Ouais, en tout cas Groki Jaune et Crossmax ont pu passer Kaiser 6. Ou alors Groki Jaune s'est loupé quelque part. Parce que je crois que Groki Jaune avait passé notre ami Kaiser 6. Donc c'est plutôt, il s'est passé une grosse bataille. Celui-là pour l'instant c'est Crossmax qui a pu reprendre l'avantage sur les pilotes. Zimax qui n'arrive toujours pas pour l'instant à trouver l'ouverture sur Jacouille. C'est ce qui se passe. Attention avec Crossmax qui est très proche du pilote Alpine Lord Ams. Attention sur la sortie du virage avec la réaccélération. Le pilote Mercedes qui a l'air d'avoir une bien meilleure accélération que le pilote Alpine. Et il va attaquer le pilote Crossmax. Il va aller tout de suite dépasser le pilote Alpine qui lui aussi a le DRS. Attention avec le pilote Ferrari Soshinan. Et c'est Ximax qui passe sur le pilote As qui est Jacouille. Merci en tout cas pour le follow. Bienvenue à toi. Tizinou, bienvenue à toi. Soshinan avec Crossmax. Crossmax qui est passé sur Soshinan. Attention à Jacouille qui va peut-être se faire remonter par Crossmax. Mais on a Lord Ham sur l'intérieur du virage. Attention avec Soshinan sur la bataille. Ça va peut-être pouvoir en profiter à Groki Jaune qui était pas loin du pilote Alpine dans la bataille.
Et ça se tient, un petit peu d'extérieur, un petit peu déventé de la part de Grocky Jaune, Kaisarsis qui est un petit peu trop loin pour l'attaque. Et pour l'instant, ça continue très très fort. Un peloton très resserré qui se bat très fort, qui a à peu près le même rythme. Et pour l'instant, pas trop trop de danger dans ce qui se passe. Aileron abîmé pour Papide. Aïe aïe aïe, quel dommage pour le pilote alpine qui va se retrouver encore une nouvelle fois très très loin des batailles. Ou les décalages de Lord Dams. Attention avec Grocky Jaune qui n'était pas très très loin. S'il aurait tenté, ça aurait pu être catastrophique. Et pour l'instant, ça se tient dans le groupe. On essaye de se mettre un peu premier. Zimax qui a pris 3 secondes de pénalité. Mais ça permet à Jacouille d'être bien situé. Et pour l'instant, Jacouille qui devrait pas tarder à faire son premier arrêt au stand. Tout comme pour Zimax qui ont décidé de rester en piste. Ils ont bien raison. Car pour l'instant, ça va leur donner un net avantage par la suite sur la grille. Car ils vont pouvoir remonter plus facilement, avoir des pneus plus frais. Et pouvoir ressortir plus facilement. Par contre, ils vont avoir une grosse attaque à faire sur le tout dernier relais avec les pneus soft. Ouh, et c'est parti en travers. Je crois pour Grocky Jaune. Non, pour Sullivan. C'est Sullivan qui est parti en travers. Et c'est le Phocéen qui peut en profiter du coup sur Warcrixus dans cette zone-là. Attention devant avec Grocky Jaune qui est en décalage. Lord Dams et Soshinine où ça se resserre. Attention, le pilote Ferrari qui arrive à tenir face au pilote alpine. Très bonne trajectoire du pilote alpine là pour l'instant qui enroule très très bien par l'extérieur face au pilote Ferrari. Et c'est passé pour le pilote alpine face à Soshinine. Kaisarsis et c'est Crossmax hein, qui a pu en profiter sur tout le monde pour le moment et qui remonte très fort hein, quand même sur Zimax. Bah, il est dessus hein, actuellement et je pense qu'il peut pas être plus proche que ça. Et il a du mal le pilote Zimax. Pour l'instant, Crossmax qui fait le travail, hein, il fait tout ce qu'il peut. Et il a les pneus plus propres en même temps. Il a les pneus neufs par rapport à Zimax et à Jacouille. Par contre, ils vont se retrouver en gros décalé de ce côté-là pour les pilotes qui sont rentrés dans les 10e tour. Il va falloir qu'ils tiennent maintenant le rythme. Derrière, ça se bat très fort. Hein. Lord Dams qui est en train de mener un très gros peloton. Et c'est Grocky Jaune qui a pu passer sur Soshinine qui donne le rythme pour le moment. Avec Kaisarsis qui se retrouve dans la bataille. Les Ferrari qui sont là, elles sont présentes pour essayer de donner un peu de tempo, un petit peu de rythme. Ça fait le café, ça fait le nécessaire. Il faut c'est un qui essaye de trouver un très très bon rythme. Je pense qu'on va pouvoir se remettre sur Crossmax qui va pouvoir attaquer notre ami Zimax. Il met un peu de RS, je pense, notre ami Crossmax pour pouvoir aller chercher un gros freinage. On va aller regarder ça, le freinage de Crossmax, je pense, dans peu de temps. Et le gros freinage de Crossmax qui a failli embarquer avec lui le pilote As. Attention sur les freinages, mon cher Crossmax. Va falloir un petit peu plus doser. Mais en tout cas, c'est passé sur le pilote Williams. Et c'est Grocky Jaune qui a pu passer sur le pilote Alpine. Et derrière, est-ce que Kaisarsis va pouvoir enrouler une nouvelle fois sur le pilote Soshinine? Va-t-il se manger une double punition comme il a pu subir avec le pilote Alpine? Et c'est le cas. Il subit une double punition, le pilote Soshinine. Peut-être qu'il va pouvoir reprendre de l'autre côté sur l'extérieur par rapport au pilote Mercedes. Et ça a l'air d'être le cas. Et très bonne défense de la part du pilote Ferrari actuellement qui va se faire attaquer par un autre pilote Ferrari. Attention qui est en délicatesse. Et c'est Warcrixus qui va pouvoir en profiter sur l'intérieur de l'avant-dernier virage avec Sullivan qui va tenter aussi. Jacouille qui rentre au stand. Est-ce que ça serait pas un peu trop tôt pour le pilote Jacouille avec ses pneus médiums? Que va-t-il tenter? Va-t-il mettre des pneus médiums? Oui, ça va être le cas. Il va remettre une nouvelle fois des pneus médiums. Donc s'il arrive à tenir 19 tours et qu'on recomptabilise 19 tours, il sera trop loin quand même pour les pneus soft. Il va falloir qu'il tienne très longtemps avec ce nouveau train de pneus médiums. A l'inverse de Ximach, je crois qu'il est resté en piste et il a tout à fait raison. Pendant ce temps, la Legendary qui continue dans sa remontée. Necro qui est troisième. Et Crossmax qui est quatrième, ça y est, qui a repris un petit peu du poil de la bête, notre ami Crossmax. Bon, Jacouille par contre qui se retrouve bien sûr dans un No Man's Land. Et c'est ce qu'il fallait pour ressortir. Mais là, c'est peut-être un poil trop tôt. Et Herc qui va pouvoir passer Kurama, comme vous l'avez pu le voir, le DT de Herc qui a eu un impact dans sa position. Mais ça lui a permis quand même de rester avec le groupe. Il peut quand même continuer à jouer des points, c'est ça qui est important. Pour l'instant, ça se passe au mieux hein, du côté de Herc dans sa remontée. Jacouille, le premier des arrêts hors safety car. Et qu'il va falloir suivre pour voir s'il retombe bien dans sa position de deuxième, troisième place après cet arrêt. Sachant qu'il va se retrouver après dans des positions de pouvoir attaquer face à tous les autres qui vont être en pneus très très usés.
Maintenant, c'est à lui de faire le show et de faire le rythme. Mais je trouve ça un petit peu surprenant qu'il soit arrêté aussitôt. Maintenant, c'est au pilote Ximax aussi de faire peut-être son arrêt. Mais Ximax, pour l'instant, continue sur la bonne stratégie, je trouve. Il va aller forcer ce premier train de pneus à dérouler au maximum. Et après, il va rentrer pour remettre une nouvelle paire de médium qui va pouvoir tenir encore une vingtaine de tours. Là, dans le manque, Ximax rentre à ce tour-là, à peu près. Et en rentrant à ce tour-là, ouais, il va rentrer à ce tour-là, Ximax, ça c'est sûr. Et quand il va rentrer à ce tour-là, il va être très très bien pour son deuxième train de pneus médium. C'est Lord Dams pour l'instant qui a réussi à reprendre un petit peu d'écart sur Kaisar 6. Ils sont eux aussi en pneus médium usés. Tout comme Soshi 9 et c'est Warcrixus, hein, normalement qui devrait faire le travail maintenant de remonter. C'est lui qui est dans l'une des meilleures postures avec Groki Jaune, mais Groki Jaune va arriver aussi sur son train de pneus usé côté soft. Ça a l'air d'être le cas avec Erk et Sullivan hein, qu'on a pu suivre. Ou attention contact, Erk a relâché un petit peu quand même. Erk a plus beaucoup de RS aussi. Attention sur le freinage à l'intérieur, il va serrer un petit peu plus quand même pour laisser la place à Sullivan. Très bon réflexe de la part du pilote Aston Martin qui reste fair play dans son attaque. Et avec le DRS pour l'instant ça va juste se suivre. Mais Erk un petit peu moins de RS. Donc attention à Sullivan qui ne retente pas un dépassement. Et pour l'instant c'est pas le cas. Et c'est Warcrixus hein, qui se fait un petit peu plus attaquer, menacé par le Phocéen que plutôt Warcrixus qui attaque Soshi 9. Mais en même temps ils sont le Phocéen et Warcrixus dans le même état d'esprit en termes d'usure de pneus. Et pendant ce temps là c'est notre ami Jakou qui remonte tranquillement sur ce peloton avec ses pneus neufs de 1 tour. Il va pouvoir imposer un rythme un peu plus fort, un peu plus osé. Et pouvoir éviter aussi potentiellement les arrêts des autres. Et pouvoir profiter d'un pneu soft plus facile en fin de course. C'est plutôt Kikixol Barjo et Papy Gamer qui sont dans une petite bataille mutuelle entre eux. De gros retardataires à cause de pénalités ou d'ailerons abîmés. Et ça rentre au stand pour Kurama, ça rentre au stand peut-être pour d'autres personnes, non. Pour l'instant, pas la moindre du monde. Les trois premiers qui sont bien écartés avec Crossmax aussi. Groki Jaune qui tente de garder un bon rythme pour revenir sur Crossmax qui donne le tempo. C'est Ximax qui continue encore avec son train de pneus. Il force un peu loin. Peut-être qu'il va tenter le un arrêt, mais après le choix de pneus hard n'est pas une très très bonne solution ici. Et secteur 2, drapeau jaune dans le secteur 2. Et c'est une nouvelle voiture de sécurité. Et là, c'est Jacouille qui va se situer en extrême bonne position. Mais est-ce que les ondes ne vont pas avoir l'espace nécessaire pour la safety car? Le Phocéen qui s'écrache, attention de bien respecter le delta, la safety car qui est sortie. Et c'est maintenant les autres pilotes qui sont rentrés pour mettre les pneus médiums qui se retrouvent dans une situation plus délicate. C'est pour ça que j'aurais aimé que mon ami Jacouille reste en piste, parce qu'au 21e tour, c'était parfait pour rentrer au stand. Voilà mon cher Jacouille, si jamais tu regardes cette rediffusion, n'hésite pas à m'écouter. Il fallait rester jusqu'au 21e tour pour pouvoir y arriver. Et Legendary qui va re-rentrer au stand, il va aller mettre des pneus hard, ça c'est quasi sûr. Ronitox il va aller faire la même chose, c'est pas une bonne, très bonne stratégie là ce qu'ils font les deux pilotes parce qu'ils vont pas s'ouvrir de place. Et est-ce que Necro va faire la même chose? Necro va risque de faire la même chose, mais ils vont choisir les pneus hard hein, du coup. Et là c'est une très mauvaise solution les pneus hard. Ils vont se retrouver en très grosse délicatesse sur la fin de course. Ronitox par contre il choisit les pneus soft. Ouf, les stratégies sont pas ouf les stratégies là. Ah, pareil les pneus soft pour Necro, c'est pas ouf, sachant qu'il c'est son dernier train de pneus soft à Necro. Hein. Après il en a plus. Crossmax qui met aussi des pneus soft. Zimax. Par contre vous voyez Zimax qui était dans une très bonne stratégie. Et regardez qui c'est qui va en profiter de tout ça. C'est notre ami Jacouille. Qui va pouvoir passer tranquillement tout le monde. Peut-être pas Crossmax du coup par le fait qu'il y a cette safety car qui l'a gêné. Voilà, il n'aura pas notre ami Crossmax. Mais il va pouvoir redépasser tout le monde et se remettre en 6ème position avec des pneus quasi neufs, médium, 3 tours dessus. Et il va être bien. Et donc il va être virtuellement 5ème car Groki Jaune a full usure sur ses pneus soft. Maintenant Legendary part dans l'idée de plus arrêter. Ronitox va se réarrêter une nouvelle fois, ça c'est sûr. Necro aussi. Crossmax aussi. Ils vont avoir des pneus qui vont s'user très fort. Ximax part dans l'idée de ne plus se réarrêter. Lord Dams qui vient de rentrer, Kaisar 6 pareil, Warcrixus pareil. Et on se relance dans une presque toute nouvelle course pour tout le monde. Ça va être un petit peu compliqué cette histoire. Ah là, quel dommage. Ouais, les Hearths sont terribles. Ouais, mais là, ouais, bah, tu les as connus, mon cher Helio.
Dans l'idée, ça a l'air d'être une bonne action parce que tu ne te réarrêtes plus, mais par contre, tu n'as pas de rythme face aux autres pilotes. Donc il va falloir voir ce que ça donne. En tout cas, pour l'instant, celui qui est dans la meilleure des situations, j'ai envie de dire, c'est notre ami Jakku par rapport au système d'arrêt, par rapport aux usures de pneus potentielles. Car ceux qui vont être en pneus soft, Juanitox et Necro, arrivés vers le 32e tour, vont être un petit peu en difficulté, 34e, 35e tour. Ils vont devoir se réarrêter une nouvelle fois pour mettre des pneus soft. Notre ami Jakku, il va pouvoir attendre le 40e, voire 42e tour pour mettre des pneus soft. Donc il va avoir une fraîcheur bien plus ample pour pouvoir après attaquer. Donc voilà, Grosky Jaune va être dans une position délicate parce qu'il est pas rentré au stand alors qu'il a 11 tours sur ses softs. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va peut-être même rentrer maintenant? C'est la question qui se pose. En tout cas, non, il a l'air de rester. Je suis pas sûr que ça va être bien pour lui. Il va se retrouver très très loin. Ximax, il a des hards, certes, il va pouvoir reprendre l'avantage derrière, mais il n'aura pas de possibilité de tenir en termes de rythme de course. Les autres pilotes sont en médium, donc côté Lord Dams, Kaiser6, voire Crixus, ça a l'air d'être pas trop mal pour le moment. Soshina, Balou, bah ils font ce qu'ils peuvent avec les softs pour pouvoir peut-être tenter de remonter. Sullivan, bah, vu les stratégies pour l'instant de Red Bull, il n'a pas trop le choix de mettre les hards maintenant pour pouvoir essayer de tenir longtemps dans la course. R qui était sur une petite remontada, bah, malheureusement ça s'est arrêté à cause de cette safety car. Papy Gamer, ça lui permet de recoller, mais il a 7 tours sur ses softs. Et après, 2 hards du côté d'Alfa Romeo, mais vu leur position, bon, bah, c'était mieux ça que rien du tout. Donc maintenant, plus qu'à voir le restart de cette course. 23e tour de course. Et il en faut 56. Bientôt la mi-course. On arrive bientôt dans cette posture. Et oui. Au 28e tour, on sera seulement à la mi-course. Ce qui aurait été dans le cadre général la fin de course pour la F1CS, mais c'est la première à 50% dans ce championnat. Attention avec les écarts, je crois qu'il y a eu un petit rollback. Ou je crois qu'il y a eu un gros rollback. C'est Crossmax qui a quitté la session, qui a eu un énorme rollback. On va le réinviter. On a renvoyé les invitations pour Crossmax qui a relancé son jeu. La voiture de sécurité qui n'a pas fait d'annonce. Si ça y est, elle a fait l'annonce, on va quand même en reprofiter pour renvoyer des invitations à Crossmax. Pour qu'il puisse rejoindre la course qui va repartir maintenant 17e du coup. Et ça permet aux Alfa Romeo d'être devant. Crossmax était bien positionné. Et ça permet à Jakku aussi de repasser 5e du coup dans cette histoire. Rollback était dû à Crossmax. Juanitor Legendary qui va devoir faire la relance. Attention, il ralentit vachement notre ami Alpha Tauri. C'est Grosky Jaune. On va observer quand même comment Grosky Jaune va pouvoir relancer. C'est bon, Crossmax a pu nous rejoindre. Il va voir qu'il est dernier. Je pense qu'il va rager un tout petit peu par le fait que de ses rollbacks. Maintenant, on va voir qui va avoir l'avantage sur qui. Il faut pas trop qu'il soit proche, il va falloir qu'il laisse un petit peu d'écart pour être sûr de faire la bonne relance au bon endroit. Et ça s'est relancé, voiture de sécurité une nouvelle fois. Et bah il y a re une voiture de sécurité. Et ça doit être dû au... Ah non, ça s'est réenlevé. La voiture de sécurité elle a juste bugué le temps de cette relance. Attention qu'elle soit pas peut-être sortie sur la piste par sécurité. Merci Codemasters d'avoir un jeu aussi buggé. Et Necro qui va tenter d'attaquer tout de suite Grosky Jaune, qui est bien sûr bien plus lent que les deux compères de devant par le fait qu'il a ses pneus usés. Ça s'est passé pour Lord Dams avec Kaiser 6 sur Soshin 9. Non, Soshin 9 qui est resté devant. Attention, les deux pilotes As qui doivent passer au plus vite le pilote Red Bull. Il va falloir s'entraider là pour pouvoir aller attaquer le pilote Red Bull. Et pour l'instant. Ça attaque très très fort. On sait que Grosky Jaune est en délicatesse actuellement dans sa position. Il va falloir très vite sortir. Et Necro le sait qu'il faut aller chercher. Legendary qui va chercher très large. Pas besoin de se défendre en vrai. Legendary, là, vu la seconde d'écart, c'était pas utile ce décalage. Mais il l'a quand même fait. Pour montrer un petit peu le réalisme du jeu. Non, pas du tout. Hein. Juste, il l'a fait par amusement.
Et pendant ce temps-là, Ximac a pu recoller au train grâce au fait que Groki Jaune pour l'instant n'avance plus en termes de rythme. Lord Dams aussi qui peut suivre le petit train que va créer bien sûr notre ami Groki Jaune. Cross Maxi doit tout recommencer depuis le début, il doit réattaquer. Après il a l'avantage que c'est une 100% donc c'est pas très grave. Bonsoir à toi Sixshell. Oh my god, it's Sixshell. Comment vas-tu mon petit Sixshell? Et Papy Gamer qui pour l'instant a du mal à suivre le train de devant avec R qui essaye d'attaquer Sullivan qui a les pneus hard. Meilleur tour en course pour Legendary en 1.36.6. Il augmente le gap, il augmente le rythme. Necro qui essaye tant bien que mal maintenant de ressortir avec Juanitox. Il faut que Jakus se lance quelque part sur Groki Jaune. Il va falloir attaquer, pas patienter trop longtemps. Parce que là ça va être une gêne très longue si jamais il ne dépasse pas notre ami Groki Jaune. Et ça va être le cas, il va pas pouvoir le dépasser là maintenant. Il aurait dû se jeter dans le premier virage pour arriver à faire une action correcte sur l'avantage de ses pneus. Et Balou, 11e position. Erk qui a dépassé Sullivan qui était en pneu hard, qui pour l'instant va devoir tenir la cadence pour Red Bull pour essayer de marquer des points dans le championnat. Des Alfa Romeo qui tentent le tout pour le tout. Et c'est Crossmax qui a dû re-rentrer au stand, qui a dû peut-être faire une erreur dans l'histoire. Crossmax qui a abandonné la session. Aïe aïe aïe, attention, Crossmax qui a abandonné et quitté la session, c'était peut-être pas la bonne solution pour notre cher Crossmax, il aurait peut-être fallu quand même tenter, il y avait d'autres opportunités, d'autres possibilités, en tout cas devant, ça attaque très fort, Lord Dams avec Ximax, Jakku qui est passé sur Groki Jaune, attention avec Ximax, c'est Lord Dams, le pilote alpine, Crossmax qui a rejoint, mais c'est l'abandon pour lui-même, donc ça servait à rien de revenir. Pour l'instant avec Soshi9 un petit peu dans la bataille, la gêne. Et c'est Lord Dams qui va pouvoir en profiter sur Ximax qui ne, comme je vous l'avais dit, avec ses pneus hard ne peut pas avoir de rythme. Ou attention, contact entre Ximax et Soshi9. Soshi9 DRS activé bien sûr. Ou attention, le gros décalage de Soshi9 avec Ximax sur qui il a réussi à passer pour le moment. Attention avec Warcryxus qui pour l'instant très bien situé derrière notre ami Kaisar6. Est-ce que ça va tenter sur Lord Dams à l'extérieur, à l'intérieur sur le gros freinage? Attention de ne pas freiner trop tard. Ça a l'air d'être le cas pour Soshi9 qui a réussi à passer. Pour l'instant, notre ami Warcryxus qui n'arrive pas. Toujours pas trouvé d'opportunité sur Kaisar 6. Et c'est Erk qui est en train de revenir très fort sur la bataille. Et pendant ce temps, l'agro qui jaune qui fait les affaires des pilotes As, hein, qui crée un bouchon énormissime. Et qui fait que pour le moment, ça peut pas aller chercher à attaquer les pilotes As. Ils sont dans une très bonne posture. Et Juanitox, il a l'air d'être très bien situé aussi. En vert, notre ami Legendary, il est un peu loin. Il a la zone DRS, mais il est un peu loin avec ses pneus soft. Il va falloir se rattraper très très vite. Necro qui a 3 secondes 6. Et il n'y a pas l'air d'avoir de RS du côté. Il n'y a plus de RS du côté de Legendary. Il y a déjà plus rien. Presque plus du côté aussi de Juanitox. Necro qui en a encore suffisamment. Jakouille un petit peu moins. Soshinen qui va pouvoir dépasser. Ou Groki Jaune qui se fait mais dépasser de partout. Hein. Il a plus de pneus. C'est 15 tours sur les softs. Il a fait une belle durée. Mais là, c'est plus possible. Il va falloir rentrer. Bonsoir à toi, Crossmax. Merci pour le commentaire du jeu, mais on est tous d'accord avec toi. C'est le jeu qui est comme ça, malheureusement. Et Warcryxus qui a pu passer sur Groki Jaune, qui s'est fait mais dépasser dans tous les sens du terme. Et Erk va pas falloir faire attention, parce que peut-être que Groki Jaune va rentrer dans ce tour. Et ça serait bien qu'il rentre dans ce tour, et il ne rentre toujours pas, notre ami Groki Jaune. Il risque d'aller jusqu'à la crevaison. Legendary qui s'est fait dépasser par Juanitox. Qui a les pneus soft bien sûr, et ça va pouvoir permettre de faire une petite bataille. Soshi9 sur Lord Dams qui va pouvoir dépasser bien sûr avec ses pneus soft. Attention à Lord Dams qui a tenté de décroiser mais il n'a pas réussi à le faire correctement. Et ça profite bien sûr au pilote Ferrari Ximax qui a ses pneus hard du coup, qui se retrouve malheureusement malgré lui bloqué dans son rythme de course. Balou qui a repris 3 secondes de pénalité. Kaisar6 qui va devoir aller chercher peut-être le pilote Williams pour marquer des points avec là-dessus. Impossible de reprendre le contrôle. Ah ouais, mais malheureusement, c'est le jeu, hein, c'est les bugs du jeu. C'est nos amis codemasteriers qui ne savent pas coder un jeu. Et malheureusement, ça crée ceci. Mais par contre, ils savent faire de très bons podium pass. Donc si vous voulez dépenser de la thune dans ce jeu, vous pouvez. Mais par contre, le reste, c'est compliqué. Et pendant ce temps-là, je ne peux pas lire les MP pour le moment, désolé.
Papy Gamer qui a pu remonter un petit peu sur notre ami Kurama. Il a pu reprendre un petit peu de lead, mais il va être loin. Sullivan qui est 13ème pour l'instant. Gros qui jaune un petit peu dans la décatesse. Ximax et Kedorsi, je crois que c'est en train de se batailler très fort. Et ça a du mal hein, pour les pneus hard. Tous ceux qui ont choisi les pneus hard se sont retrouvés pour l'instant un petit peu en délicatesse. Même les Legendary qui avaient pris l'avantage de début de course. Et maintenant dans une phase un petit peu plus délicate. Ouh, et c'est Erk. C'est Erk qui s'est planté. Erk qui s'est loupé. Attention, retour en piste. Oh, peut-être pas ici. Ça serait peut-être pas la bonne idée. En tout cas, il a réussi à se remettre bien. Peut-être... Non, mais il fallait juste continuer, mon cher Erk. Allez, il faut continuer. Pas besoin de reculer. Il fallait juste continuer tout droit. Il y avait de quoi tourner. Malheureusement pour le pilote Aston Martin, ça va être délicat. Et Papy Gamer qui rentre au stand. Ah oui, 12 tours. 12 tours sur les softs. Il est un petit peu en délicatesse. Il n'y arrive pas à la tenir. Et 17 tours sur les softs pour Groki Jaune. Jusqu'à où va-t-il aller? S'il attend le prochain arrêt des autres pilotes, ça va être dans très longtemps. Il risque d'être en grosse difficulté. Peut-être passer au pneu hard hein, et de sortir un gros rythme pour aller jusqu'au bout maintenant. C'est pour moi tout ce qui reste à faire, ou alors patienter pour aller mettre les médiums, mais les médiums sont dans 6 tours de mémoire. Et c'est ça, dans 6 tours à peu près. Pour l'instant, Balou qui arrive même à avoir un meilleur rythme, et c'est les deux Red Bull là qu'il va falloir qu'ils s'entraident. Et bien sûr, voilà, c'est bien joué, Sullivan qui peut profiter de dépasser les deux pilotes. Gros Kick Jones qui lui a donné l'avantage, qui s'est décalé pour son coéquipier bien sûr. Et c'est Sullivan qui va pouvoir reprendre cette P10, voir Crixus un petit peu plus dans la délicatesse, Kezar 6, 3 secondes de pénalité pour Papy Gamer qui se retrouve très très loin avec Erk, qui vont peut-être pouvoir se batailler entre eux dans cette suite de courses. Ximax qui n'arrive toujours pas à prendre un meilleur rythme sur l'Alpine, on sent que les pneus hard sont dans une tangente délicate, pas de rythme, grosse endurance mais aucun rythme avec ces hard. Pendant que Dams et Soshinane arrivent à dérouler un très bon rythme. C'est Jacou qui arrive un peu moins à s'éloigner du pilote Ferrari. Mais en même temps, il a un peu plus d'usure sur ses médiums. Il faut qu'il tienne assez longtemps. Et là, il faudrait qu'avec ses médiums, il arrive à atteindre, j'avais dit, le tour 40. Drapeau jaune. Attention, qu'est-ce qui s'est passé? Ouh, c'est Lord Dams qui s'est loupé. Lord Dams qui vient de casser. VSC, Virtual Safety Car. Et Lord Dams qui a complètement cassé son aileron. Ou attention, parce que là, il y a eu contact avec Sullivan. Oui, mais messieurs, attention, peut-être pas de dépassement sous VSC hein, aussi. Je sais pas ce qui s'est passé entre les deux, mais s'il y en a un qui a tenté de dépasser l'autre, c'est celui qui tente de dépasser qui se voit dans la mauvaise action. On était sous VSC. T'as pouvoir calmer un petit peu le jeu de tout le monde. Mais ça va rechanger complètement la donne. On va avoir un petit peu moins de bataille. War Crixus qui a dû relâcher un petit peu. Aileron cassé pour War Crixus. Aileron cassé pour Lord Dams. Il a dû avoir le spin du pilote Alpine. Ou le contact avec Soshinine du pilote Alpine. Pour l'instant, Kezar 6 6ème. Il a réussi à passer Ximax. Hein. Ximax avec ses pneus hard qui n'avance pas. Mais qui va pouvoir peut-être ne pas rentrer au stand. Ouh, et ça a repris. Kezar 6, pénalité de drive-thru pour vitesse excessive. Il a été trop vite, le pilote Mercedes. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont dans cette situation? On va regarder ça tout de suite. DT pour Kezar 6, DT pour Ximax. Aïe, aïe, aïe. 15 secondes de pénalité pour Balou. 12 secondes pour Papy Gamer. Ça commence à faire un peu beaucoup. Et on va vous mettre les pneus une nouvelle fois. Donc Kezar 6 qui va devoir DT tout comme Ximax. Les deux pilotes, et malheureusement, Ximax, du coup, sa stratégie avec les pneus hard ne fonctionnera pas. Kezar 6 qui va DT maintenant, pour être tranquille, il a raison. Il y en a plein qui vont rentrer, Groki Jaune, hein, bien sûr, qui va rentrer. Là, ses pneus soft, ça pouvait plus tenir. Attends, quelle va être la stratégie du pilote Red Bull? J'ai bien envie de voir ce qu'il décide de faire. Et ça va être les pneus médium, 26 tours à faire, ça peut se faire, mais ça va être délicat. Et Kezar 6 hein, qui va ressortir devant, mais Kezar 6 qui a changé de pneu. Il a pas fait son DT du coup. Ouais, Kezar 6 qui a pas pu faire son DT, Kezar 6 qui va devoir rebox une nouvelle fois. Qui a pas dû sélectionner faire son DT.
Il roule à Nitox pour l'instant, il se consiste d'avance sur Legendary, mais après il va falloir penser au box pour Roi Nitox. Necro qui a 5 secondes de 8 de The Legendary. Bon, dans la Jacouille qui maintient encore avec ses médiums de 11 tours, qui va pouvoir pas tarder à aller chercher des pneus soft dans une dizaine de tours. Plus que 10 tours à tenir pour l'ami Jacouille pour après aller chercher des pneus soft pour tenir une fin de course assez incroyable. 40e, entre le 40e et le 42e tour, ça va être à lui de juger où il va pouvoir rentrer au stand. Ximax qui pour le moment avec ses pneus hard n'a pas encore box pour ses DT. Tu veux un deuxième commentaire? Bah, si tu veux me rejoindre mon cher Crossmax, n'hésite pas. Désolé, je pouvais pas voir les DT, mais si tu veux me rejoindre, n'hésite pas du tout. Au moins on pourra regarder la fin de course ensemble. Pendant ce temps-là, Balou qui est 7e quand même avec sa McLaren, il faut le souligner. 8 tours sur ses softs. Et bonsoir à toi mon cher Crossmax. Ah, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, le malheureux. Voilà, le malheureux du jeu. Qui s'est mangé la disqualification par le fait de la déco Hiroko. Du coup, je suis venu pleurer avec vous. Ah bah, au moins tu pourras regarder la fin de course avec nous, de cette fin de course qui a l'air d'être quand même assez mouvementée. Et bah, elle était passionnante jusqu'à ce que voilà quoi, jusqu'à ce que mort s'en suive. Ah, mais non, c'est une belle course, pour l'instant, je trouve. T'es sûr, même pour Mercedes, tu penses que c'est toujours une bonne course? Si t'enlèves Mercedes, c'est une très bonne course. Mais à partir du moment où... Ah bah c'est comme si t'enlevais Red Bull dans la vraie vie, quoi. Oui, c'est un peu ça dans l'idée. Parce que là, de ce que je vois, le pauvre Kaiser 6, il s'est mangé d'été, plus au stand. Il s'est mangé d'âme ce premier virage en voulant doubler... je sais plus qui. Et il a foncé tout droit. Aïe, 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 aïe. Non. Après, les freinages sont très difficiles. Hein. Ils sont... Oui, dès que t'as le DRS, dès que t'as un peu d'aspiration, tu rajoutes quasiment 20-30 mètres au freinage. Quoi. Bah, j'ai vu ça, que là, c'était délicat. J'ai vu que tu t'es mangé les 5 secondes justement pour avoir tiré très très large. Bah, j'étais obligé de partir tout droit. Bah, c'était soit mon aileron, soit tout droit. Et... Oh, t'as fait une bonne... Tu perds moins de temps 5 secondes. Hein. Je pense que tu perds moins de temps avec 5 secondes qu'un aileron cassé. Alors, en tout cas, t'as fait la bonne solution. Mais tu sais que dans l'histoire, c'est les deux plus sages qui pour l'instant se retrouvent récompensés de cette course, parce que pour l'instant Kurama et Kikikso le Barjo qui étaient tout le temps derrière tranquille ou petit loup à faire leur petite course, ils sont 9 et 10 pour l'instant. Et ouais, Kurama... bah c'est calme hein. Ah bah oui, mais Kurama en plus il a un rythme d'enfer hein, pour l'instant. Il était rapide, après sur les fins de relais il avait beaucoup de mal, il glissait beaucoup quand j'étais derrière lui. Ah mais pour l'instant ça tient. Eximax qui fait son DT du coup avec les pneus hard. C'est ce qu'on a remarqué. Par contre, les pneus hard, tu vas me confirmer, je pense, l'idée, mais les pneus hard sont bien pour faire des longs relais, mais par contre, ils ont aucun rythme, les pneus hard. Bah, j'ai failli les mettre au premier relais. Kaiser 6 m'a dit de pas les mettre, mais moi, sur les essais, en tout cas, quand je fais des essais avec mon setup, c'était assez intéressant. J'étais pas... Ah, moi, pour moi, c'est les pneus où tu perds plus de choses. Pour moi, c'est un circuit où tu attaques un peu plus, c'est, quitte à faire 3 arrêts, mais tes 3 arrêts vont être plus rentables que de mettre un train de pneus hard. Et par rapport à la course de Liga, on a eu la confirmation, Elio qui est dans le chat pourra nous le reconfirmer. Malheureusement, lui qui a tenté le 1 arrêt s'est retrouvé complètement désemparé dans ce dernier tour où j'ai pu le dépasser alors que j'avais fait 3 arrêts. Moi je partais sur 2 arrêts avec, avec un hard au milieu, mais en fin de relais tu glisses, tu surchauffes on va dire. Ah bah, pour moi la meilleure stratégie c'est medium, medium, soft, ou soft, medium, medium. Tu préfères. Comme ça, t'as le rythme de course et en même temps le bon nombre d'arrêts à effectuer. Après, ouais, c'est des choses à adapter, mais en tout cas pour l'instant, ça s'est calmé dans les batailles. Ah, peut-être Kurama. Non, Zimax est ressorti devant Kurama, donc il va pouvoir mettre l'écart. Soshinen, quand même 5ème. Il partait avec toi au fond de grille. Et Luke qui confirme que c'est nul un arrêt. Hein. Ah oui, voilà, c'est nul. C'est impossible, hein, je pense. Hein. Voilà, c'est ce qu'on veut voir, la bagarre. Bah, on essaye de voir un peu de la bagarre. Pour l'instant, c'est un peu calme. On va regarder côté Ximax et Kurama. Oh, Kurama. Ouais, c'est un peu loin. On va regarder plutôt côté... c'est qui est en bataille? C'est Papy Gamer avec Erk. Ah, pareil, c'est loin aussi. Il n'y a personne en bataille, en fait, pour le moment. Non, je pense que s'il faut aller pisser et chercher une bière, c'est le moment. Mais ouais, là, si vous voulez vous calmer un petit peu, allez vous reposer, c'est le bon timing.
Après, on a eu Revenez Dams. dans 20 minutes, On ça a devrait être eu Dams et Warcruxes qui ont eu un léger accrochage. Qui ont perdu tous les deux leurs ailerons. J'ai vu ça. Vanitas. Bah, c'est suite au contact avec Kaiser6 que. Merde, ça s'appelle. Lors d'Adams, quand tu peux oublier son prénom, son pseudo, s'est retrouvé un peu en fond, comme ça, un peu déstabilisé. Ah, donc okay. Derrière, derrière, ça s'est un peu bousculé. Attends, je voulais juste voir les pneus. Ah bah là, les pneus de Juan Itox sont, comme j'allais dire, un petit peu morts. Donc là, il va rentrer au centre, c'est sûr. Et ah bah, Nogmaron, voilà. Hop, à boire, à boire. Wiki, boire. Non. Ah, tiens, Chichel. Et pour l'instant, Necro qui continue, hein, il arrive à tenir un petit peu mieux ses pneus soft. Mais par contre, il va pas falloir tarder à repasser sur les pneus médiums pour terminer la course. Du côté de Necro, 34e, 36e tour, c'est le timing parfait pour aller rechercher des pneus médiums. Ouais, il attend le 36e tour, je pense. Ouais, je pense que ça serait le bon timing. Je pense que là, vu que Juan Itox est rentré, il faut qu'il rentre maintenant pour moi. Pour pas trop perdre, parce que le l'undercut est ultra violent ici. Sachant qu'il avait déjà même du retard. Rentres. Et Jakul, lui, va falloir qu'il attende le 40e ou 42e tour pour aller chercher des softs et après attaquer très fort. Bon, Jakul, par contre, il glisse déjà dans tous les sens alors qu'on est qu'au 15e tour sur ses pneus. Jakul, Muggy Warano, il va aller au bout, tu penses? Muggy avec ses médiums? Ça va faire beaucoup, hein. Ah, gros qui jaune, oui, si les médiums, il peut aller au bout. Là, il a 4 tours dessus. Si, en vrai, ça peut le faire. Faut juste qu'il soit safe. En même temps, il a tenu 19 tours sur ses softs. Donc je vois pas pourquoi il tiendrait pas plus avec ses pneus médiums. Pour moi, ça peut le faire. Je pense qu'à la fin, ça va être compliqué. Après, il y a Balou qui va remonter sur lui. Il y a quand même du monde derrière. Contre, je te dis pas par contre qu'il va tenir sa position. Je te dis juste qu'il peut aller au bout avec ses pneus médiums. Mais là, c'est une question de ça va remonter. Par contre, Lord Dams sur Balou, on va peut-être avoir enfin notre bataille. Non, ça va pas y aller. Si, ça va y aller. Ah, si, ça va aller. Là, c'est parti pour. Là, je te le dis, dans la ligne droite. Ouf. La ligne droite, ERS, DRS, et ça y va, hein, normalement. Attention. Même pas de RS, il y a un petit peu de RS quand même. Et voilà, le pilote Alpine qui va pouvoir continuer de remonter. 11ème place. Ah, bah, où est-ce que le freinage? Non, il va pas y aller au freinage. Et Lord Dams avec ses pneus hard, maintenant qu'il peut aller largement au bout. 4 tours dessus. Par contre, prochaine ligne droite. Si Balou, alors je ne connais pas le niveau de Balou. Non, Balou il tiendra pas la cadence. Je te le dis direct, il va déjà avoir la seconde. À la sortie des quadruples droites, il aura une seconde une sur leur Dams. Ok, c'est le Socho de l'abbé quoi. Ok, alors. Non, ensuite... non, pas trop. Il a quand même un meilleur rythme. Mais tu vas voir, normalement, ouais, il va quand même l'avoir le. En cours, j'ai une fois de gentil avec lui, là, regarde, tu vois, direct. Petit Socho, le pauvre. J'espère qu'il est pas là. Hein. Non, t'inquiète, le petit Socho, il ça sera le répété, prend pas mal. Amplifié. Il le sait. On l'attaquera, pas sûr. Il le sait. Ah, Juan Itox. Et Kaiser 6 qui vient de prendre Kaiser le meilleur 6 tour. Meilleur tour. Et pour l'instant, voilà. Juan Itox. Ah bah Mercedes est en train de faire un petit travail quand même. Bon après, le point positif, c'est que maintenant dans cette saison 2, le point du meilleur tour en course est attribué à n'importe quelle position. Il va pas le garder, je pense que Juan Itox va aller le chercher là. En tout cas, Juan Itox a eu le DRS pour dépasser Soshinane qui a 13 tours sur ses softs. Jacouille. Alors... Et d'ailleurs, Necro qui est toujours pas rentré, il a fait l'erreur de pas rentrer. Est-ce qu'il a toujours un peu de rythme? Bah non, mais là il vient de perdre très très gros hein, sur Juan Itox. Maintenant, Juan Itox regarde où il se situe par rapport à Necro. Il a gagné. Après, il a encore Jacouille à passer. Est-ce que Jacouille va faire un petit jeu? Il a combien de RS Jacouille? Bah Jacouille. Ouais, mais il continue en plus, notre ami Necro. Je pense qu'il attend, Jakou il attend. Sinon c'est pas possible autrement. Voilà. Bah là en fait je crois qu'il essaye d'aller chercher les 20 tours sur les médiums. Voilà, Juan Itox a pris le meilleur tour en course. Mais parce que je pense qu'il n'arrive pas à tenir ses pneus du côté de notre ami Necro. Mais du coup ça profite à Juan Itox qui lui tient ses pneus en fait. Et pendant ce temps là, Soshinane qui essaye de tenir avec ses softs. Je pense que Soshinane est en train d'aller chercher la même chose que Jakou. Pour pouvoir peut-être rechausser un train de pneus soft, je sais plus s'il en avait encore en stock ou pas. Et maintenant, je crois que c'est Kiki sur le barjo qui a se mangé la fureur de Lord Dams. Et pendant ce temps-là, ça rentre pour Balou, qui a réussi à tenir le rythme de Lord Dams sur ce dernier tour de course avec Kaiser 6 qui revient très fort. Qu'est-ce qui s'est passé pour Balou? Il avait que deux tours sur ses. Abandon, Balou, mais non! Il a abandonné la session. Ah bah. Mais non, continuer. Faut pas faire ça. Ça servait pas à grand-chose là. En plus, il y avait des points gagnés. Le pot.
Les points étaient gagnés. J'aime pas quand ça se finit comme ça. Mais surtout, c'est que, regarde, il n'y a plus qu'un... Enfin, maintenant, tout le monde a des points, parce que Balou a abandonné, mais ça pouvait se jouer. Ça se jouait, là. Bah, au moins un point. Là, surtout, c'est que, pour moi, Erk va devoir repeat, Kézarsis va devoir repeat. Enfin, pour moi, tout ça, c'était des repeats obligatoires. Et Roanitox, ça y est, qui est derrière notre ami Jacouille. Ouais, il y a le drapeau jaune parce que la voiture de Balou ressort, bien sûr. Hein. Pourtant, il a abandonné dans les stands. Hein. Ouais, non, mais c'est tout, c'est le jeu qui veut ça. C'est bugué. Ouais, ce soir, j'ai pas envie de... J'ai pas envie de parler de ça. Et Necro qui rentre au stand, du coup, pour aller chercher ses pneus médium. Jacouille qui glisse. Roanitox, ouais, voilà. C'est fait. Qui est passé, ouais. Voilà, non, mais c'est, après, c'était, ils n'étaient pas sur la même stratégie, donc là, c'était logique que Roanitox ressorte droit devant. Bah, en tout cas, Roanitox et Necros étaient sur la même stratégie de base. Ils étaient sur la même stratégie, ils avaient les mêmes arrêts depuis le début, c'est juste que là, Necro a essayé de tenir un peu plus longtemps et il a perdu un arrêt complet sur Roanitox. Regarde où il se retrouve maintenant, notre ami Necro. Il se retrouve à des kilomètres de Roanitox. Et maintenant, il va falloir. Ah, j'étais dans la. Tu étais dans. Je t'écoute, mon cher Crossmax. Mais là, Legendary va s'arrêter ou pas? Legendary, oui. Non, il peut continuer, il peut aller jusqu'au bout. Mais s'il continue. Ah, c'est sûr. Ah, pour moi, il a mis un tour sur les hards. Pour moi, il a décidé de partir terminer avec les hards. Ce qu'a fait exactement notre ami Elio hein, dans l'idée. Mais il va se faire rattraper pour moi par Roanitox, ça c'est sûr. Necro beaucoup moins sûr. Et vu que Jacouille doit rentrer d'une façon ou d'une autre et Soshinine aussi, en fait, il perdrait qu'une seule position. Sachant qu'il n'est que remplaçant Legendary dans cette course. Donc il est pas là pour forcément jouer la win. La question c'est le rythme que vont avoir Roanitox. Roanitox va le remonter, c'est sûr. Ouais, Roanitox c'est sûr. Mais... Jacouille il sera trop loin pour le remonter et Necro est déjà trop loin en fait pour remonter sur Legendary. Deux secondes au tour. Les meilleurs tours pour Roanitox. Encore une nouvelle fois. Lui, on sait ce qu'il va faire. Ça, c'est sûr. Roanitox va aller chercher la victoire dans cette course. Après, Necro, avec ses trois secondes, c'est sûr, c'est non. Mais. Après, ça peut tout et rien dire. Hein. Tout le monde peut y avoir des trois secondes de tout le monde. En tout cas, celui que j'apprécie beaucoup en termes de performance ce soir, qui s'est fait un petit peu manger partout et qui arrive quand même à être dans une bonne position, c'est Sullivan, sixième. Il est là quand même pour Red Bull. Il est en train de faire un gros taf. Il s'est interversé. Il a combien de pénalités ? Je crois qu'il a 3 secondes aussi, je vais te redire ça. Il a. Non, il a 5 secondes de pénalité, Sullivan. 6 pour Zimax derrière. Bon, ça peut. Oui, ça peut tenir comme ça, ouais. Ça peut finir comme ça pour l'instant, ça tient bien. C'est après, c'est Grokick Jaune qui va faire une bonne opération, là, au final. Avec ses pneus, avec combi tour. Oui, là, Grokick Jaune peut déjà revenir sur Kurama, passer cette 8ème position et marquer un peu plus de points. Et surtout, c'est qu'il va pouvoir remonter Zimax. Et Sullivan aussi peut-être sur la fin où Sullivan va peut-être le laisser passer gros kick jaune justement pour pas gêner. Mais pour le moment ouais les Red Bull qui peuvent terminer si tout se passe bien 6 et 7ème en position et ça peut être pas mal. Lord Dams qui essaye de revenir aussi d'attaquer. Gros kick jaune aussi là qui va. Kurama et c'est fait. Voilà. L'action et c'est très bien fait. Ah, très propre, voilà. Dépassement d'école. Simple, efficace. Que demander et de pas plus. Cher, c'est la meuf que je préfère. Mais en tout cas, pour le moment, Roanitox il remonte très fort, hein, plus que 8 secondes sur The Legendary. C'est Jacouille hein, sauf qui va... de cette part, c'est faire. Ah, pour moi, si Jacouille est capable de tenir 16 tours sur ses softs, ça serait dans le prochain tour. Il faudrait qu'il reboxe pas ce tour là, enfin, pas le tour qu'il est en train de faire, le tour encore d'après. Et qu'après, il ait cherché les softs. Sachant que Soshinine 17 tours hein, sur les softs, donc pour moi ça peut tenir largement. Maintenant il faut le faire, ça c'est autre chose. Pour l'instant, Grokick Jaune qui revient sur Zimax. Avec Kézarsis, voilà, j'en étais sûr. Allez, 3 secondes supplémentaires pour Kézarsis avec Lord Dams qui essaye de continuer de remonter vers les Alpha Romeo qui pour l'instant ont très bien joué leur course. Ils marquent des petits. Ouh pour Kikik sur le barjo. Oh là 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 là. Ah oui, j'ai vu. Oi, oi, oi. Ah, il nous a fait une petite Fernando Alonso là des familles.
Mais en tout cas, pareil, hein, les Alfa Romeo, on n'en parle pas assez souvent, hein, mais ils font toujours des bonnes Pour courses en l'instant, D. c'est toi. Ah, Pas de mais. pénalité, pas de bruit. Alors après, là, il reste beaucoup de tours. Allez, encore quoi? Oh là là, les maths. Encore 17 tours, ça me paraît énorme moi, sur les hard. Je sais que c'est faisable, mais sur les fins de relais, là, on le voit sur les courses en 100% comme ça, c'est intenable. Ah mais parce que du coup, si tu remarques, on voit bien, tu vois, sur une 100%, la différence cette fois-ci de quelqu'un qui a pris un setup CLM et un setup vraiment pour la course. On Bah, le j'ai eu sent. vachement de mal à trouver un setup. Moi, j'ai pas du tout le setup e-sport, là, comme tout le monde le fait tourner, là, sous le manteau. J'avais un truc un peu plus safe en 37, dans 39 devant et 37 derrière. En aileron? Ouais. Mais ils sont en 50-41 hein, en aileron. Bah, c'est ça, je comprends pas comment tu mets 50 sur l'aileron, là. Parce que tu T'as pas. veux, ce que tu veux, c'est maximiser tes appuis pour le secteur 1 et le secteur 3. Bah, en 39, ça passait bien, moi. Oui, alors ça passe bien dans le sens du circuit, mais tu ne passes pas bien en termes d'usure avec tes pneus. Bah là en fin de relais, sur mes fins de relais j'étais bon, j'ai réussi à remonter. Oui, non, mais parce que t'es arrivé dans ta façon de piloter, t'es arrivé quand même à tenir tes pneus, mais il y en a d'autres avec ce setup-là, ils tiendraient pas. Et 50-41, en fait, ça te permettait de Bizarre. sans réellement réfléchir, pouvoir économiser tes pneus. Bah sur le premier relais j'avais des problèmes de surchauffe. Après sur le fin de relais j'ai réussi à stabiliser avec la balance de frein, mais après Oui. Alors, sinon tu sais pourquoi ça a t'avais été. des surchauffes? Parce que du coup, avec ce setup-là, tu t'es retrouvé dans le trafic et il fallait que t'attaques et que tu ressortes vite du peloton. Ah, c'est peut-être ça aussi, ouais. Mais j'ai C'était. galéré, je suis resté longtemps en dixième ou un truc comme ça. Ouais, non, mais c'est pour ça. En fait, ton setup, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on appelle des setups un peu plus CLM. Et du coup, dès que tu vas te retrouver dans un trafic, un peloton, bah, tu vas être beaucoup moins bien. Merci à toi, ton follow, Magmon, Ask0995. un gros kick jaune. Et Ah, merci, c'est gentil. hop, et gros kick jaune, on est dessus pour Ximax, le Voilà, et. dépassement d'école. Et c'est fait. Attention derrière au freinage. Et Soshinan qui est ressorti avec des pneus soft tout neufs, donc qui va pouvoir réattaquer les Red Bull, c'est ce qu'on disait, hein, c'est dans l'idée, il va perdre cette position Sullivan dans peu de temps, parce que Soshinan a fait le travail, mais maintenant c'est Jacouille qui devrait, voilà, j'allais dire, pas tarder à rentrer au stand, parce qu'il n'avait pas non plus un net avantage sur Soshinan, et je crois que là il va se retrouver en délicatesse encore une nouvelle fois, notre Ouais, ami Jacouille. Soshinaï qui glisse beaucoup, quoi, glissait beaucoup sur les fins de relais. Ouais, mais là, du coup, notre ami Jacouille, il a mis un peu de temps, je pense, à faire son choix. Et du coup, il va se retrouver un petit peu en délicatesse. Ça va être dur sur la sortie. On va voir ça avec Soshinen qui va attaquer Sullivan. La Allez, sortie c'est de pas ça. l'as. Et l'as, Faut il va pas se se. battre, celui. Ouh, attention à la sortie de Ouf. l'as. Ah. Intérieur, attention de ne Ah pas être gêné avec la là. Ferrari. La Ferrari qui doit ressortir un peu plus large. Ah, dommage, Jacques-Louis qui laisse pas beaucoup de place. Après, c'est un avantage au pied de sortant hein, dans ces conditions. Mais c'est vrai Oui, que bah là. après, il aurait pu. Voilà, mais c'est juste Après, les pneus qu'il. froids, oui, c'est pas évident. Mais c'est pour ça que normalement, c'est le pilote qui est en piste qui doit se mettre forcément sur la trajectoire extérieure. Après, là, Jacouille a quand même vachement tiré droit par rapport à la sortie des stands. Donc, il n'a pas forcément optimisé sa sortie, mais Il était voilà. c'était. Non, mais il est un peu derrière. Mais c'est vrai qu'il aurait pu faire plus safe. Et Là, il aurait pu se mettre derrière Soshinane, Soshinane en j'allais vrai, dire. pour profiter du DRS que là Soshinane lui va avoir. Ça n'utilise pas, mais en tout cas c'est le pilote Ferrari qui va aller chercher le pilote As et qui va peut-être pouvoir se retrouver dans une bien meilleure position. Et le freinage de Soshinane sur l'intérieur qui arrive à prendre l'avantage sur le pilote As. Et maintenant les deux Red Bull qui vont se situer dans une très bonne position. 6 et 7e, c'est ce qu'on vous avait annoncé. Et Lord Dame, c'est Kurama qui sont pour l'instant en bataille, 9 dixième. Je crois que c'est entre Erk et notre ami Solbarjo. Jacouille, Mais. c'est pas fini, hein. Je pense qu'il va pas se contenter de rester derrière Soshinai. Ah non, mais on regarde juste un petit peu les batailles derrière peloton. Et je Ah crois que oui. c'est Kiki Solbarjo qui a réussi à tenter un beau dépassement sur Warcryxus. Mais Warcryxus a dû décroiser correctement. Et pour l'instant, on va remonter sur l'avant-poste avec, comme tu nous le disais, notre ami Jacouille qui va pouvoir s'attaquer un petit peu à Soshinine. Mais Surtout que est-ce sur les que. consommations de RS, on n'est pas trop mal pour Jacouille, donc il y a peut-être quelque chose à jouer. Ouais. Pas fini. Et notre ami Rouanitox, il est plus qu'à 3 secondes de notre ami Legendary. Après, là, pour moi, la meilleure option pour Legendary, vraiment, s'il veut jouer un gros coup de maître.
C'est quand il y a un coup, il sera fait dépasser par Juan Itox. Il rentre, soft, et il attaque. Et pourquoi pas les mettre maintenant, pour histoire de d'essayer de gagner un peu de temps? Bah, le problème, c'est qu'il est sûr maintenant à 100% de pas rattraper Juan Itox, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il arrive, il ne rattrapera pas Juan Itox. Alors, j'avoue, je connais pas son rythme, hein. S'il peut mettre des 2 secondes de tour, mais encore, là, ça va être compliqué. Non, oh, il... c'est jouable, hein? Non, c'est pas jouable. En termes de rythme de course, bah, il s'arrête. Voilà, il va s'arrêter. Il va le faire, il va le faire, il va le faire, je te jure, il va le faire. Pour moi, il l'aura pas. Ah, il peut se rapprocher, Juan Itox peut faire une petite erreur, un petit 3 secondes. Ah, c'était jouable. Ah, à tout moment, c'est surtout un nécro qui va pouvoir gêner dans se remonter. Hein. Il est un peu loin, le nécro. Il est un poil trop loin. Ouais, ça sort. Par contre, il va y avoir les sortes de... Il ressort de Juan Itox. Il ressort à... 15 secondes, seulement. Ouais, c'est 18 secondes. Les Oh, il y a un truc à jouer. Ah, il va falloir qu'il mette un gros rythme. Mais c'est surtout que les softs tombent vite. Donc à tout moment, il peut se retrouver un petit peu dans la panade avec les softs. En tout cas, Legendary va avoir le meilleur temps en course, ça c'est sûr maintenant. Il est rapide, Legendary, à voir. Je suis d'accord, Elio, mais... Il a 5-6 tours. Il a 5-6 tours pour faire une belle remontée. Ouais, il a 5... En fait, le truc qu'il y avait aussi, mon cher Elio, c'est que même moi, à la fin de relais, je l'ai senti, les softs après se tombent très très vite. Donc il va falloir qu'il force très vite sur ses softs, quitte à les bouffer énormément pour pouvoir vite se retrouver derrière Juan Itox. Un coup qu'il a le DRS, même soft usé, il sera bien. Mais il faut qu'il ait le DRS avec les softs usés au bon timing. Et là, il va falloir qu'il attaque très très fort, notre ami Legendary. Et ben, en ce temps-là, là, on Kaiser a... Six qui va laisser un aileron sur Korama, je pense. Ah, tu penses un peu de temps. Tu es comme ça avec ton coéquipier, toi. Oh, je sais ce qu'il fait, je sais ce qu'il va faire. Avec Jacouille qui passe. Est-ce qu'on va avoir un petit décroisement de Soshinine? Non, je pense pas. Il faut mieux pas le tenter, en tout cas. Parce que là, il vaut mieux jouer à juste DRS et attendre. Mais là, moi, si je me mettais un peu à sa position, Kaiser 6 qui va dépasser voilà, Kurama. Si je me mettais à la position de un des deux pilotes, moi, ma stratégie, ça serait je reste derrière, je n'attaque magnifique pas. Magnifique Kaiser 6. Bravo. Pour moi, là, la stratégie d'un des deux pilotes, faut que Soshinine ou Jacouille se décide, mais pour moi, je resterai derrière, j'attaquerai pas. De toute façon, ils peuvent pas aller chercher le pilote devant, ils pourront pas trop se faire attraper. Et 3 secondes pour. Non, il y a Jacouille, mais non, alors c'est le seul. Alors maintenant, il a plus le choix. Là maintenant. Jacouille, il faut qu'il y aille. Pour moi, c'est ce que. Et meilleur tour pour Jacouille, justement, mais il va pas l'avoir longtemps. En fait, je pense qu'il était en train de chercher le meilleur temps en course, mais il l'aura pas. Ce qui se passe, c'est que Legendary est rentré pour mettre des pneus soft, mais bon, ça... bah si, normalement, il est censé savoir vu sa position où il est. Quelqu'un doit lui dire. Mais même sur quelqu'un se lui dise, la quatrième, il voit la position du deuxième. Legendary, ça peut le faire. Legendary, pour l'instant, ça remonte fort, comme il le sait. Et pour moi. Soshinai, ça lui a donné des ailes, hein, sa pénalité, hein, à Jacouille. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mais pour moi, Jacouille, ce qu'il aurait dû faire, c'était rester derrière Soshinai. Il attaquait pas. Ouais, d'accord. Après, c'est sûr qu'il allait vouloir l'attaquer et s'échapper. Et... c'était fait, au moins par sécurité. Parce que si Jacouille se prenait une pénalité et qu'il restait derrière Soshinai pendant un petit bout de temps, usure de pneus plus perte de rythme, ça aurait été compliqué. Et Kurama. Non, mais pour moi, en fait, il prenait pas de risque. Comme ça, il pouvait économiser du carburant, il restait derrière. Puis même s'il voulait, dans le dernier tour, il attaquait Soshinai. Oui, au pire des cas. Au pire des du cas. Du coup, les deux. Parce que là, il est en train de prendre des risques, là, notre ami Jacouille. Mais là, il a plus le choix, de toute façon. Là, pour moi, il faut qu'il reste derrière. Il reste derrière jusqu'à la fin. Si, comme ça, il est co. Il est co. Il est dans le dernier tour. Fiut, dépassement, fini, okay, on n'en parle plus. Ok, dans le chat. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et Legendary, meilleur tour en course. Il va remonter, Legendary, c'est magnifique. Je te l'avais dit. Attends, parle pas trop vite, il reste 10 secondes, et les softs tombent vite, il faut pas l'oublier. Il s'est arrêté il y a 2 tours, il a déjà pris 5 secondes. Oui, non mais c'est réglé, hein, pour moi. Je te dis pas le contraire, il faut juste patienter, parce qu'à tout moment, il va pouvoir se retrouver dans une situation où il a plus de pneus soft et Juan Itox lui arrivera à tenir ses médiums, on peut l'attendre aussi cette situation. Et Juan Itox a un petit avantage, niveau ERS, donc je pense que ça va être compliqué. Ça peut, à tout moment, il peut y avoir un petit changement de gap. En tout cas, pour l'instant, Grokki Jaune avec ses médiums de 15 tours qui peut à tout moment se faire remonter par Lord Dumps et Kaiser 6. Mais non, Kaiser 6, non, c'est sûr, c'est mort. Kaiser 6, 15 tours sur les softs, il va falloir qu'il re-rentre au stand. Ximax qui est bien positionné avec ses softs. Pareil pour Sullivan qui a des softs de 2 tours aussi, tout comme Ximax.
Et derrière, attention, ça se rattrapera freinage pas. à couille là. Allez, j'accouille. Allez, là, il faut rester derrière, il faut suivre et il faut pas dépasser. Juste profiter, pas avoir à attaquer. J'annonce prochain tour, dépassement de Shoshinein sur Jacouille. Ah, c'est sûr que si je vois ça, là... Mais à Jacouille, ah, en si, fait, c'est... le problème, c'est que le Jacouille, là, ce qu'il va avoir créé, c'est un gap d'une seconde pour pas que Shoshinein ait le DRS. Donc il va pas y arriver parce qu'il va se mettre trop la pression. Et il serait même capable de spin et d'abandonner dans les derniers tours, notre ami Jacouille. Alors, est-ce que Jacouille va spin dans le dernier tour? Petit sondage. C'est mort pour les Gendarmes, je pense. Ah, Papy Gamer, 3 secondes. Si Cole a envie de mettre un petit sondage, est-ce que Jacouille le spin ou pas? Les Gendarmes, va y aller. 10 tours, 7 secondes. Arrêtez, va y aller. Ah bah attends, on va voir ça. On attend. Ouais. Il a plus beaucoup de RS, hein, en tout cas. C'est Necro qui en a le plus parmi le top 3. Pour l'instant. Mais Necro ne reviendra pas. C'est le gestionnaire des tâches sur cette course. Il est au calme. Gros kick jaune. Hein. Pour l'instant, moi j'ai envie de dire félicitations à Gros kick jaune. Malgré tout ce qui a pu se passer, il s'est bouffé 2-3 trucs qui ont ruiné un tout petit peu sa course. Il se retrouve 6ème. Bon, après, peut-être pas dans les meilleures conditions possibles, mais il est bien pour le moment. Shoshinein, 6 secondes, on nous dit. Ah, il a encore, ouais. 6 secondes ? Ouais, 6 secondes pour Shoshinein. Il a encore un gap de 3 ah, secondes. Ah, ok, d'accord. Ah, oh, bah, ok. Ah, oui, bah, qu'il attend, Shoshinein, c'est bon. Qu'il prenne pas de risques. Bah, là, pour moi, Jacouille, c'est lui qui doit pas prendre de risques. C'est lui qui a un avantage, c'est lui qui doit pas prendre de risques. Shoshinein, lui, peut en prendre actuellement. Et Shoshinein n'est pas passé dans ce tour, mon cher Crossmax. Oh là 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 là, oh là là, comment j'ai pu me tromper là-dessus là. Aïe aïe. Attention, qui kick sur le barjo avec Papy Gamer. Mais qui kick sur le barjo à 24 tours sur ses hardes. Aïe 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 aïe. Il arrive à être plus vite que Papy Gamer, hein. Car il n'a que 18 sur ses hardes. Ah, c'est dur en sortie pour Papy Gamer, hein. Oh là 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 là. Mais qui kick sur, t'imagines 24 tours sur ses hardes. Ah ouais, bah... Meilleure gestion. Meilleur équilibre de la voiture. Ah là, il a un très bon équilibre de la voiture, hein, parce qu'il le tient à son rythme face à Papy Gamer. Là, le virage avant la ligne droite, là, il a... 4 secondes pour les Gendarmes. Il va peut-être pouvoir le dépasser, mais est-ce qu'il va pouvoir tenir jusqu'au bout, les Gendarmes, dans ce rythme? Oui. C'est la question qu'on va se poser. Alors, vous voulez un sondage sur quoi? Sur qui? Est-ce que les Gendarmes vont passer par Nitox? Sondage. Ah, c'est bon, non, c'est il y est. C'est est-ce que Jacouille va spin? Oh! Oh là 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 là. Votez attends. Tous oui! Votez tous oui! Je vous le dis, votez tous oui! Attends. Je vous l'annonce, le spin! Au début. Ce sera fin de course. Non. Attends. Attends, il y a Kurama qui est en train d'attaquer Ximax. Ou c'est Ximax qui est passé sur Kurama. Parce que 25 tours sur ses hards pour Kurama. Les Alfa Tauri, ouais. Les Alfa Romeo pardon, sont en train de faire des records. Non mais ils sont en train de tenter des records de tours sur ces hards. Ah je t'ai dit, hein, les hards ça peut pas tenir autant de temps. Même, Ah si, ça tiendra. Oui, ça tient, mais regarde le classement où ils ont dégringolé. Ah oui, non mais, alors, voilà. Mais comme je te l'ai dit... C'est sur Fury. J'avais dit qu'ils allaient tenir en termes de classement, je t'ai juste dit qu'ils allaient aller au bout avec les hards. Oh là 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 là. Après, ça dépend de ce que tu veux. Est-ce que tu veux aller à l'arrivée ou est-ce que tu veux une certaine position à ton arrivée? Ça, c'est autre chose. Moi, ce que je veux, c'est gagner. Ah, mais là, du coup, c'est pas trop possible. Je te vois actuellement en 17ème position. Ça risque d'être compliqué actuellement. Attends, j'ai 0 tour sur mes softs. Je vais chercher le meilleur tour. Je reviens. Sachant que t'en as 0 actuellement sur tes softs. Ah, mais là, je joue le podium. Là. Je partais 18ème, 17ème, 20ème. Je sais plus. Tu veux pas nous faire une PRS? C'est-à-dire, à la fin de la course, là, tu refais 2-3 tours juste pour annuler la pénalité, puis basta. J'avoue. Et je crois c'est que fou, ouais, Jacouille est sorti. Ça y est, Jacouille est sorti de la zone DRS de Shoshinein. Voilà. Déjà, là, c'est une bonne non, chose. Non, il est. Oh, je le vois en train de piloter. Ximax. Ah non, c'est Kizar 6 qui stand, pardon. Alors. Par rapport au sondage, Jacouille. Ouais. Peut-être. À tout moment, c'est possible. Sachant qu'il revienne quand même sur l'écran.
Ah, il a, je pense qu'il a un setup un peu similaire au mien où je pense qu'il peut, qu'il est assez, il est assez safe. Donc normalement sur l'usure arrière surtout, ça peut bon, le faire. Kézartis. Oh, sorti de stand de Kézartis. J'ai cru qu'il allait jamais s'arrêter dans le virage. Oh là 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 là, je peux plus le voir, je peux plus regarder. Ah, Warxixus. Et Arc est passé sur Papy Gamer. Attends, qu'est-ce qui s'est passé avec Kézartis et Warxixus? Non, Kézartis est rentré au stand. Mais Warkexus, je crois qu'il est juste derrière lui. Il s'est non, parce que Warkexus était à cette position. C'est juste que Kézartis, il était ah, à la c'est place pour ça qu'il a freiné tard, ok. Ah non, non, non. Warkexus était bien encore trop loin derrière pour que toucher Kézartis. C'est juste que Kézartis. C'était à moins d'une seconde. Mais oui, mais parce que Kézartis s'est complètement loupé à la sortie des stands. Il a oublié de freiner pour tourner dans le virage. Et c'est pour ça que Warkexus a pu revenir sur allez. Kézartis. Bon, allez, Juanitox. Ah, mais oui, il est passé, j'ai pas vu. De quoi, Juanitox? Il est pas passé, Legendary. Ah, Legendary, oui, pardon. Oui, Legendary est passé sur Juanitox, mais bon, on était ah plus... Ah, mais j'ai dormi combien de temps? Bah là, on a dormi deux tours. On a dormi ah, j'ai eu un moment d'absence, je me dis, putain, mais qu'est-ce qui... Bah quand oh, tu vois là, que Cole oh. a quand même annoncé Legendary à une seconde de Juanitox... Bah c'est pour ça, je me dis, tiens, je regarde le chat, et puis je regardais la course. Et là, je regarde la course, mais non, il est à 3 secondes, Juanitox. Alors, on nous annonce ah, du côté merde. De chez As que normalement, Jakku ne dépassera pas Necro pour le classement pilote. Si tout se passe bien, il ne dépassera pas. Moi, ça m'arrange. Après, comptablement parlant, je suis, c'est fini. De toute façon, pour Jacouille, c'était déjà fini depuis le début de cette course, vu qu'il vient de faire sa première course de la saison. Oui, oui, oui. Non, et mais par rapport à Necro. Ah bah par rapport à ah, Necro. Non, ça m'arrange pas. Bah non, ça non il pas. Faut que Jacouille, il faut l'aider pour le championnat. Toi, c'est des mauvaises stratégies, ça. Je pense que Jacouille devrait passer Necro. Mais non, pour moi, je trouve que c'est une très bonne stratégie en étant pilote As, mon cher Crossmax. Je suis pas d'accord. Mais bon, ça n'engage que toi. Ah, bah, moi je trouve ça intéressant. Et Sullivan, du coup, on va pouvoir se mettre sur son point de vue pour le dépassement sur Kurama qui a bateau en 27 tours sur ses hard. Qu'est-ce qu'il a, Juanitox? Michel Bov. C'est quoi, Juanitox? Qu'est-ce qu'il y a? Il est resté pendant. Tu as coupé ton micro, mon cher Crossmax. Problème de volant, problème de passage de vitesse. Ah. Peut-être juste qu'il a vidé un peu de carburant. Voilà, il a perdu plus du temps que Perret qu'on a enlevé du carburant. Non, en vrai, il ira pas chercher Legendary là actuellement. C'est sûr. Après, est-ce qu'il veut tenter ouais, un... Il a perdu 7 secondes. Hein, ouais. En 2-3 tours. Ah mais les Legendary arrivent à tenir ses softs. Je pense pas qu'ils vont dégringoler tant que ça. Bah si, ils vont dégringoler je pense, mais ça sera trop tard pour Juanitox pour revenir sur Legendary. Ah bah là, c'est sûr. Et Necro, c'est bon, c'est gagné pour Legendary. Et Necro pour l'instant, qui tient son rythme en 3ème place. Et Soshi9, pareil, qui a relâché complètement son rythme sur Jacouille. Il n'y a plus trop de batailles hein, pour l'instant. C'est le calme dans ces 6 derniers tours. Zagzou a eu la même vendredi, quel jeu de merde. C'est il horrible. Il a plus de son chez Necro, il a plus de son dans le jeu. C'est Good, Altap et ton ami. Oui, oui. Alors, si jamais vous ne connaissez pas l'astuce sur le jeu, si vous perdez le son, il faut juste faire un Altap et c'est bon, vous retrouvez le son de votre jeu. Ah, moi je fais juste menu. Ah, ou bah, peut-être ça peut fonctionner, mais en tout cas, je sais que le Altap fonctionne super bien. Bah, de toute façon, l'Altap fonctionne pour tout. Tu as un problème de son, tu fais Altap. Tu as un problème de retour de force, tu fais Altap. Ce jeu fonctionne en Altap. Ton couple, tu fais Altap, c'est bien si. C'est ou... facile. Ou alors tu fais CTRL-X. Bah, je connaissais pas cette technique. À Monaco, ça me l'a fait dans les derniers tours. J'avais plus de son. C'est interdit de mettre en pause ou de faire Altap. Ah, mais là, moi, je m'en fous. Non, non, c'est pas interdit de faire Altap, mon cher Sixel. Ah, franchement, j'ai plus de son, je le fais. Mais Monaco, mon crash à la fin, c'est à cause de ça. J'ai fait 5-6 tours sans son avec, en passant les rapports en regardant le compteur. Et je pense que j'ai dû me foirer d'un rapport dans l'épingle. Et, alors moi, surtout, ce que j'ai du mal à comprendre, mon cher Crossmax, c'est comment tu as pu partir à droite dans un virage à gauche. Bah, c'est... En fait, c'est j'ai passé un rapport trop tôt, trop tard en rétrogradage. Ton volant était tourné à droite Ouais, mais là, c'est pas la voiture, elle est partie d'un coup. Ton volant était tourné à droite sur le virage à gauche. Ça m'a tué de rire quand j'ai vu ça.
Ah, mais je te jure, je te remontrerai le replay. Ah, mais je l'ai vu, hein, t'inquiète Voilà. pas, on l'a vu. Hein. J'ai très très bien vu ton point de vue. Non, mais j'ai la caméra embarquée, tu sais, quand je. Ouais, machin. Bah on l'a vu avec le jeu. Ah, on le voyait. Ah, merde. On l'a vu avec le jeu. Mais je sais pas ce qui se passe. Mais j'avais pas de son. Ah, bah. Après, voilà, mais en tout cas, on t'a vu tourner à droite alors que l'impact était à gauche. J'ai fait. Oui, normal que ça soit compliqué là, du coup. Ce jeu, de toute façon. Et maudit. En tout cas, Kurama s'est fait passer par Kaiser 6 et Lord Dams. Et Kaiser 6 va peut-être pouvoir réussir à aller re-rechercher Lord Dams, qui a lui aussi repeat. Est-ce que Kaiser 6 est plus rapide que Lord Dams, sachant qu'ils sont à peu près sur la même catégorie de pneus? À voir. Il proposait que je fasse le bruit du moteur, mais il n'a pas voulu. Moi, j'aurais accepté que tu le fasses. Ah, moi non. Avec une petite canette, une canette vide dans la bouche. Dis-toi que moi, le son du jeu ou pas son du jeu, ça me dérange pas. Je pourrais rouler sans son du jeu, ça me dérange pas du tout. Parce que t'as pas, tu passes, t'es en boîte auto. Ah non, je suis quand même boîte manu, s'il te plaît. J'ai pas d'aide. Hein. Je sais pas. Ah, moi, je suis tu joues quand même au clavier de la souris. Ah, moi je joue au volant. Ah, mais moi aussi, mais c'est impossible de passer des quoi. Sur mon Daco, je réussis à le faire 5 tours. Ah, mais parce que en fait, juste dans ma tête, sans son, mais tu sais, je sais où combien de fois je dois tapoter à chaque virage pour descendre, combien de fois je dois tapoter pour monter jusqu'au virage, etc. Moi aussi, mais bon, sur Monaco, t'arrives en fin de course avec des pneus, en plus j'avais des pneus des hard de 20 tours ou je sais plus quoi. C'était psychologiquement, plus je remontais de loin. Par c'était contre, psychologiquement, c'était très très dur. Red Bull dans peu de temps dans la sauce, peut-être. Ximax qui remonte sur Rocky Jones qui a 22 tours sur ses médiums. Dans peu de temps, moi je dirais dans. Allez, 4 virages. Prochain tour. Oui. Prochain tour pour Jalen Jones DRS. Attends, dans 4 tours, donc ça va être dans 4 virages. 1, 2, 3, 4. Papy Gamer qui rentre au stand pour peut-être aller chercher le meilleur tour en course, ce qu'il ne pourra pas avoir car Legendary était bien trop rapide. Ouais, c'est jouable, fin de relais comme ça, fin de course. Ouais, j'ai peur qu'il n'y arrive pas pour moi. Hein. Moi, je pense qu'il ne l'aura pas, ce meilleur tour en course. En tout cas, pour le moment, Ximax qui a peut-être porté une dernière attaque à l'équipe Red Bull. Allez. Et Kaiser 6 qui est peut-être en train de jouer une grosse bataille avec Lord Dams pour le gain de la 9ème position. Pour des gros points chez Mercedes. Pour le tuer une deuxième fois. En tout cas, pour le moment. Et bah Papy Gamer qui est sorti va y aller, hein. Transmax. Ouais, Ximax il va y aller, hein, je le disais de toute façon. Ouah, ça glisse pour Groki Jaune. Et bah voilà. Et il va rester à l'intérieur. Alors je sais pas par contre pourquoi garder l'intérieur ici. Ximax c'est normal, il va. Voilà, Ximax je m'en doutais qu'il allait le faire, le relâcher de gaz. C'était sûr qu'il allait faire le relâcher de gaz pour pouvoir être sûr d'avoir la zone DRS plus loin. Surtout qu'il après, lui suffit pas d'avoir Gros King Jaune devant lui, hein. Il suffit juste d'avoir la zone DRS. Gros King Jaune il va lâcher son ERS dans la ligne droite là. Il est bien non, rempli. Parce que Ximax va le passer avant la grande ligne droite. Ah est-ce que... Ah. De toute façon Gros King Jaune, non il va pas le faire. Non pas tout de suite. En tout cas il y a la zone DRS pour Ximax c'est sûr. Ximax a relâché pour pas prendre de risque, il a eu raison. Il élargit bien. Bonne sortie en troisième. Voilà. Très bonne sortie. Hein, petite ERS. Ça va pas suffire, mais. Ouais, Groki Jaune qui veut faire la défense, mais là, vraiment, c'est inutile. Au contraire, c'est plus se fatiguer qu'autre chose là, sur la défense. Ouh ah, oui, là, il va chercher loin, Groki Jaune. Il doit pas défendre là-dessus. Groki Jaune, il peut pas défendre. Il a 23 tours sur ses médiums. Ouh, ça glisse pour Groki Jaune. Non, ça glisse pour Ximax plutôt. Oui. Oui, c'est plutôt une Red Bull qui a glissé. Enfin, c'est plutôt une Williams qui a glissé, pardon. Et Ximax qui est bon, qui est passé. Non, sur j'ai vu que Ximax glisse aussi. Non, non, c'est Ximax. En plus, oui, je me fais douter de moi-même. C'est Ximax. Ne doute pas de mais moi. Mais t'as dit la Red Bull. T'as dit Groki Jaune. C'est Ximax qui a glissé, mais t'as dit Groki Jaune. Bon, dans le chat, ceux qui pensent que je me trompe. Ça se tente pas grand chose parce que là en fait le problème c'est que Groki Jaune va être voilà il va jamais pouvoir avoir la réaction sur Ximax et il va se retrouver en difficulté. Même dans les S ça va être compliqué pour lui hein. Attention sur le freinage, ouais. Ah quoique il va peut-être avoir le DRS s'il tient bien Groki Jaune. Il va pouvoir jouer au DRS à la rigueur mais il va jamais pouvoir le jouer sur un virage. Ah dans les S ça va jamais tenir. Pour moi dans les S il tient pas. Oh là 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 là. Après Ximax a des pénalités hein, on peut regarder combien de temps il a de pénalités.
Il a 6 secondes. Tente, hein. Donc ce qui se tente par contre pour Grokki Jaune, c'est de pas perdre 6 secondes. Il fait du bon travail Grokki Jaune par contre là dans les S là pour rester au contact. Oh. Ah, il a le DRS. Ah, il l'a. Et bah, parce que je dis Max en fait il a plus rien. Il a plus de RS, Max. Il a plus rien, il a plus une goutte. Oh là 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 là. Ah là, ça va passer. Là pour moi il faut juste qu'il tienne hein, ces 6 secondes et c'est bon, c'est gagné pour Grokki Jaune, il reste devant Ximax et du coup ça fait une petite 6ème ouais, position pour voilà. Kratos. Ah magnifique. Crossmax il picole plus que moi. C'est sûr, pas aujourd'hui. Allez, derrière Sullivan. Oh derrière Sullivan, attention avec Lord Dubs. Ça va. Parce que Sullivan, il est bientôt. Oh, Sullivan qui va peut-être pouvoir gagner aussi une position sur Ximax. Pourquoi oh, ouais, mais Grokki Jaune est en train de faire un travail monstrueux parce que Sullivan il va se retrouver aussi dans la zone de Ximax pour les 6 secondes. Regarde, il a 6 secondes 8 là actuellement, Sullivan. 6 secondes 5. Ximax, il faut qu'il 6 secondes 4. Il faut qu'il s'évade. Ça remonte. Parce que là, Ximax va peut-être pouvoir perdre. Ximax va peut-être pouvoir perdre 4 positions d'un coup. Hein. Ah, Grokki Jaune, il fait le travail pour son coéquipier, c'est bien. Et Lord Dams aussi, hein. Oh là 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 là. Ah, c'est ce que je dis, hein, même pour il reste que deux tours, là. Enfin, il se passe quelque chose, après, il reste que deux tours. Parce que c'est là où ils ont compris qu'il faut attaquer. Lord Dams qui passe. Ah, mais non, il passe pas. Non, mais tu l'imagines, faut pas suivre la bêtise de Lord Dams sur le freinage. Aïe, allez, celui qui lâche, il a perdu. Attention, non, mais il va pas tenter. Kaisarsis, il a tenté. Non, Kaisarsis, il a tenté. What? Non, mais ils sont fous, ils sont trop fous. Là, mais Kaisarsis, oh là 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 là, mais il a un problème. Après, il me dit, ouais, je finis pas les courses, ça me saoule. Bah, tu vois. Et normal, je fais des trucs comme ça. Pour l'instant, qui passe au Ximax hein, dans l'histoire. Et Grokki Jaune, qui a le DRS. Et 3 secondes pour Kaisarsis. Par contre, Kaisarsis, lui, il lui faut un peu plus pour arriver à. Il va falloir être encore plus devant. Ouais, bah là je pense qu'il fait que du fun, mais bon, faut pas qu'il prenne de risques, il assure quand même les points. Sullivan n'y est plus du coup dans la zone de Ximax, il va falloir qu'il réattaque pour se retrouver dans cette zone une nouvelle fois. Et en tout cas, on a notre ami Legendary qui est en train de tranquillement attaquer son petit dernier tour de course, Pepper Mouse. Magnifique. Et Ronitox qui n'avance plus, même Necro arrive à plus avancer que Ronitox. Oh, Ronitox! Oh là là, Ronitox, c'est compliqué. Oh, il a failli se tuer. Ah, il avance plus, Ronitox, mais je crois que c'est ses pneus hein, qui 22 tours sur ses non, pneus. Ouais, c'était... Il arrive plus à les tenir. Hein, voilà. C'est... Mais non, il est en 8ème, 7ème, 5, 6, 5. Soit il a plus de son, à mon avis. Il est un truc. Non, pour moi, c'est plus... Il est en 8ème dans les S, au ralenti. 5 secondes, en tout cas, pour Necro, mais il a 3 secondes de pénalité, donc de toute façon, voilà. Et Legendary, on va regarder la fin. Il y a un problème pour Ronitox. Hein. C'est pas possible. Soit il a plus de son et il passe pas les rapports, soit... Non, oh, t'inquiète, là, c'est bon, quand même. Oh, en 8ème dans les S. Ouais, bah, je veux dire, au moins, il peut terminer la course sans souci, quand même. Même s'il reste en full 8ème tout le long, il est quand même devant Necro à 5 secondes. Je veux dire, c'est jouable. Bon, allez, revenons à Legendary. La victoire de The Legendary. Ah oui, bravo, franchement. Les Aston, là, moi, je serais Aston Martin, je m'arrête et je laisse passer. Bon, il y en a un qui a voulu. Bah voilà. Et Arc qui a voulu. Ah, magnifique. Ah bah non, Arc il doit continuer. Oh là 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 là. Non, c'est pas Arc, c'est Warcry. Qu'est-ce qu'il doit continuer, c'est fait avoir. Il doit continuer. Pour toi, il était derrière, je comprends pas. Non, non, Legendary il a relâché encore plus que, que Warcry 6. Ah pardon, du coup. Ah, Ronitox deuxième. Ronitox deuxième, Necro qui va terminer troisième avec Jacouille, mais Necro, attention. Necro qu'est-ce qu'il fait? Il a plus d'essence, il a pas regardé, il a pas pris assez d'essence. Merde. Et ça s'est joué pas grand-chose. Avec Kaisarsis. Kaisarsis qui veut tuer Lord Dubs une dernière fois. Attends, ça va jouer avec les pénalités. Grokki Jaune qui est en train de faire le travail nécessaire pour être devant Ximax, ça c'est bon. Grokki Jaune qui va pouvoir. Mais Kaisarsis aussi est devant Ximax. Attends. Faut voir sur la ligne. Ah, ah non, c'est non, bon, Grokki Jaune ça passe, Lord Dame ça va passer, Kaisarsis aussi. Kaisarsis pas loin. Non, Kaisarsis ça passe, si Kaisarsis. Non, ça passe pas. Ah bah non, oui, Kaisarsis il avait ses 3 secondes de pénalité, ce qui fait que c'est Sullivan qui passe devant Kaisarsis. Kurama, 11ème, avec 34 tours sur les hards pour notre ami Kurama. Oh là 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 là. Ouais, mais tu vois, voilà, c'est... faut pas tenter des trucs comme ça. Bah en vrai, par rapport à où il se situe, par rapport à où il partait, c'est très bien.
Il partait fin, hein, il était dans la 19ème place. Donc il partait combien? Je crois qu'il partait ultra loin, Kouama. Il partait vers toi, là où t'étais. Les Alfa Romeo partaient avec toi. Et il va plus que voir Crixus qui s'est fait avoir sur la ligne que Legendary n'a pas réussi. Et ça passe pour lui. Et voilà, le résultat de course est fini. Ah, ah, elle est triste cette course. Ah, c'était long. Triste pour certains. Ah, c'est long, ouais. Ah, triste pour certains. Un qui est dans le vocal, tu veux dire exactement? Allez, le petit podium. Sur du jeu, je me demandais qui parlait. Non. Le petit podium de Zonari. Il est beau, hein. De Juan. Il est beau, Legendary, dans sa petite tenue, là. De Necro, pardon, j'allais dire de Crossmax, mais non. Crossmax, il est au courant. De Crossmax, deuxième. Crossmax, là, j'annonçais plus en troisième position, mais bon. Ah, c'était bien ça, c'était bien. Juanito, tu avais plus de son, hein, dans le dernier tour, tu avais raison, mon cher Crossmax. Voilà. Et pareil pour Necro, dans le dernier tour, qui n'a plus de son. Mais Necro qui s'en est mieux sorti sans le son que Juanitox, parce qu'il a récupéré quasi 3 secondes sur le dernier tour. Et voilà, pour le podium, on va récupérer les résultats pour notre ami Cole. Hop. Et voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette course. Merci à toi Crossmax de m'avoir rejoint au commentary. Ah bah merci de m'avoir invité. Bah y'a pas de quoi. Je repasserai, c'était bien, c'était fun. Bah pas de soucis. En tout cas, nous on se retrouve le week-end prochain pour la course d'Australie de Ligue A et dans 2 semaines pour les courses d'Australie de Ligue V et de Ligue B dans cette avant-dernière manche du championnat saison 2 de F1CS. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée. Capla. Salut à tous, à la prochaine sur Bug Simulator.